Chers auditeurs, de Méridien, chers auditeurs et auditrices de Méridien Zéro, bonsoir, nous sommes vendredi soir. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. Euh, Jean-Louis Omegas à, à la barre avec euh, trois invités, enfin invités et co-animateurs co euh, que je vous présenterai tout de suite après deux, après deux ou trois annonces euh, puisque ce soir nous n'allons pas faire une émission, comme vous en avez vu, comme vous avez pu le voir sur le flyer, nous n'allons pas faire une émission consacrée à l'actualité euh, ça, viendra, ça viendra, sans doute sous la forme d'un panorama avec, euh, avec le lieutenant Sturm et, et, et les autres, euh, autres guélurons. Euh, nous ne parlerons donc pas de l'actualité. Ceci étant, euh, malgré tout, on, on peut s'en occuper un petit peu. Euh, s'en occuper parce qu'il y a quand même euh, les... un certain nombre de choses que nous craignons. Euh, soit en train en effet de se mettre en place. Euh, ça, ça se fait sous la forme de déclarations, de, déclaration, de, de demandes, d'exigences des uns et des autres. Euh, je pense par exemple à, à cette déclaration de Nathalie Saint-Cric à la télé euh, pas plus tard qu'avant-hier, qu euh, demandant que, que les, les non-Charlie, que ceux qui n'étaient pas Charlie soient repérés et traités. Euh, ce qui quand même euh, induit toute une série de, de choses et on, on voit bien euh, ce qu'elle qu entend derrière. Or, euh, vous l'aurez bien compris évidemment et vous non plus sans doute, hein, nous ne sommes pas Charlie. Donc, euh, donc voilà. Donc on, ça, on s'en occupera en temps voulu. Euh, ceci étant, nos, nos camarades du Nord, du, du cercle non conforme, euh, avaient programmé une, émission, une, une conférence euh, bien avant, hein, depuis cet automne, mais qui du coup entre très très bien en, en résonance avec l'actualité puisqu'ils reçoivent ce samedi à 19h30 Georges feltin tracol trin Trincol, <laughs> excuse-moi Georges, <laughs> pour traiter et pour faire une conférence sur, sur les lois liberticides et sur tout ce qui peut se mettre en place depuis maintenant quelques années, à partir de son ouvrage En liberté surveillée, qui a été édité cet automne par Synthèse Nationale. Nous avions évoqué un petit peu lorsque nous avions interviewé Georges à l'occasion de la... Table ronde de Terre et Peuple cet automne. Euh, là, il va faire une conférence euh, donc samedi à partir de 19h30, qui sera évidemment bien plus développée et bien plus argumentée que, le, que ce qu'il avait pu faire au micro, au micro de Méridien zéro, puisque c'était juste une, une présentation de, de son livre. Voilà. Pour tout renseignement et tout contact, vous allez sur le site du cercle non conforme. Donc pour, son, pour cette conférence de, de samedi. Euh, bah, qui promet évidemment d'être excessivement intéressante et vous pouvez évidemment en profiter pour euh, folâtrer euh, parmi les différents textes publiés par le cercle non conforme en particulier un certain nombre de prises de position par rapport à, à l'affaire Charlie comme on dit euh, dans lesquelles évidemment nous nous reconnaissons tout à fait voilà euh, ceci étant ce soir donc euh, nous sommes avec euh, Anne Lepape bonsoir aud auditeurs et auditrices <laughs> Xavier Aiman bonsoir à tous et avec moi, il y aura le camarade Wilsdorf. Bonsoir à tous et à toutes. Et donc ce soir, nous allons euh, traiter, ça fait très longtemps, nous allons traiter de, de littérature et de politique, euh, les deux. Euh, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu à, à faire une émission sur un, un auteur, euh, depuis au moins cet automne, je, je dirais. Et euh, nous allons faire cette émission avec Anne Le Pape par rapport à un ouvrage qu'elle a consacré à François Brignot, euh, chez Pardès, dans la, la collection Qui suis-je euh, quelques mots sur le livre, Anne D'abord, il est important de dire que c'est la première biographie de François Brignot, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Il est mort en 2012. Et donc, aucun autre ouvrage ne lui a été consacré. Et cette biographie essaie de faire le tour, je dirais, de, de ce qu'il était, de, de ce qu'était son talent, de ce qu'a été sa vie. Donc, euh, il est évoqué sous toutes ses facettes. Salut. Oui, c est, c est, il faut noter que, comme, comme le disait Anne Le Pape, euh, est mort il y a très peu de temps, et pourtant, on a l'impression qu'il est déjà tombé dans une, un peu, euh, une forme d'oubli. C'est-à-dire que, alors que c'est un personnage, un journaliste très important de notre euh, mouvance, on va dire de la mouvance nationale au sens large, aujourd'hui, il est assez peu connu surtout par les par les nouvelles euh, générations et cet ouvrage vient euh, en effet vraiment très à propos pour faire redécouvrir euh, quelqu'un qui est euh, tout à fait qui a une vie passionnante et une œuvre tout à fait remarquable. Ah, je pensais que vous alliez euh, placer euh, un petit couplet euh, sur le fait que cet oubli n'était pas finalement étonnant quand on voit comment les, la vieille génération du, du Front National, par exemple, puisque nous aurons à, à évoquer évidemment ce parti, euh, comment la vieille génération s'est retrouvée quand même très largement euh, marginalisée euh, par l'évolution récente du, du parti. Et finalement, cet oubli de François Brignot, on est un petit peu, euh, va dans le même sens finalement. Peut-être. Alors, euh, François Brigneau avait pris des distances avec le Front National depuis déjà, des, des, déjà quelques années, après en avoir été évidemment... Euh euh, plus que proche. Et, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment lié à cette, forcément, cette évolution. C'est peut-être plus euh, du, le fait que les nouvelles générations déjà lisent moins, tout simplement, euh, s'intéressent plus aux réseaux sociaux, aux choses sur Internet, et qu'il n'y a pas grand-chose de brignot qu'on trouve par ces, par ces biais-là. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit li, forcément lié à, à la nouvelle euh, mouture du Front National. Je pense que c'est un, un problème plus général, malheureusement. Très bien. Alors, bon, on va attaquer le, on va attaquer le personnage, parce qu'en effet, il a, il a de multiples facettes, euh, et que je, je pense, l'émission aura, l'émission permettra de, de, un petit peu toutes les voir. Euh, on va, on peut commencer par l'enfance, n'est-ce pas, Wilsdorf Alors, je crois que, on, on ne peut pas parler de François Brignole sans parler de, de, de son enfance, et de ses origines familiales, tout simplement. Donc, c'est un Breton, fier de l'être. Il le revendiquera d'ailleurs tout au long de sa vie, de différentes manières. Euh, et euh, euh, il va baigner dans un contexte familial qui va être déterminant, notamment dans son rapport avec son, son père et, euh, et un contexte politique ou un contexte social bien particulier, qui sont en Bretagne notamment, mais ailleurs aussi, euh, une espèce de rivalité entre la République, enfin la Troisième République, et euh, l'environnement euh, religieux. Euh, je crois que ça, c'est un social. On verra. Euh, euh, je ne sais plus qui avait défini, Bruno était un paroissien de Parvis, tel qu'il aimait ou à se définir ou tel qu'on l'a défini, donc il a toujours eu un rapport un peu complexe, mais euh, c'est un, un fil qui sous-tend un petit peu toute son existence, et je crois qu'on peut dire qu'il a été marqué dès son plus jeune âge par euh, cette relation, non pas cette relation ambiguë, parce qu'elle n'était peut-être pas ambiguë pour lui, loin de là, mais une relation euh, conflictuelle avec un environnement politique qui était celui de sa jeunesse. Oui, le, la guerre scolaire était très dure à l'époque. François Brignot est né en 1919. Donc, quelque chose d'important aussi, c'est qu'il est né au lendemain de la guerre. Donc, il est né dans un pays euh, peuplé de femmes en noir, en deuil, qui, dit-il, quand elles nous serraient dans leurs bras, serraient d'autres personnes disparues. C'est quelque chose aussi qui l'a beaucoup marqué. Et quand vous dites oui, la guerre scolaire, effectivement, c'était la pleine époque où Jules Ferry essayait d'arracher les petits Français à l'influence de l'Église. Et sa famille en est un exemple très net, puisque son père, qui était fils d'un marin-pêcheur, donc le, le grand-père d'Emmanuel de, de, Allotte, hein, puisque son vrai nom est Emmanuel Allotte, étant marin-pêcheur, était assez anticlérical, assez rouge. Les, les pêcheurs de Concarneau, puisqu'il est né à Concarneau, étaient assez rouges, donc assez républicains. Mais en général, les, les mères, les femmes étaient catholiques. Et le père de François Brignot, de celui qui deviendra François Brignot, servait la messe, était à l'école libre. Mais il avait une grande sœur qui était stagiaire institutrice. Et quand elle a eu son examen, on est venu voir euh, la mère de, des enfants en leur disant Écoutez, si vous voulez que votre fille ait des stages, il faut enlever son frère de l'école catholique. Sinon, eh bien, nous pousserons des jeunes filles qui font partie de familles euh, plus normales. Donc, l'enfant qui avait à l'époque 13 ans ou 14 ans a quitté l'école catholique, a perdu la foi, ce qui explique que quand François Brignot est né, il n'a pas été baptisé, et pour lui, ça a toujours été un drame. Il a toujours regretté, il a toujours dit, j'aurais peut-être été un mauvais catholique, mais au moins, voilà, j'aurais été baptisé. Et il a vécu vraiment dans, un, dans une ville coupée en deux. On n'allait pas acheter le pain chez le boulanger qui habitait au coin de la rue, parce que c'était un boulanger blanc. Il fallait aller traverser la rue pour traverser la ville pour aller acheter son pain chez le boulanger. Euh, rouge, le boulanger, bleu, plutôt, on disait les blancs et les bleus, plutôt, en faisant allusion aux républicains euh, de, de, la, de la Révolution, de la Grande Révolution. Et il avait, dans sa famille, il y avait donc ce, ce, cette espèce de, de, de dichotomie, puisque sa grand-mère maternelle, elle, était pieuse, catholique et plutôt blanche. Elle lui parlait de Marie-Antoinette, etc. Donc. Euh, et lui a toujours senti une espèce d'horreur pour la Révolution. Il, tout enfant, il a assisté à, à une manifestation violente à Douarnenez, où il y avait eu des grèves de marins-pêcheurs très dures. C'est un souvenir, c'est sans doute son premier souvenir d'enfance qui l'a beaucoup marqué. Et il a toujours eu horreur de la violence, de. de C est, c est, il a écrit après des, des, des livres sur la Révolution française, puisqu'il a, au moment du bicentenaire, qui, qui était très dur là-dessus sur, le, sur les idées révolutionnaires. Du coup, il ne, il ne parlait pas breton, je suppose. Alors, comme il vivait à Concarneau, en ville, on ne parlait pas breton. Sa grand-mère parlait breton parce qu'elle était d'une famille paysanne, et les paysans parlaient breton. Donc, il savait quelques mots de breton, mais il n'a jamais parlé breton. Il n'a jamais été. Euh, bon, vous dites qu'il a été fier d'être breton, c'est vrai. Il aimait particulièrement la Bretagne. Mais adolescent, il avait plutôt tendance à se moquer de ceux qu'on appelait les. Euh, de, de, de ceux qui étaient autonomistes, en fait. Et ça n'est qu'après la guerre qu'il a un peu compris leur combat, tout en ne le partageant pas. Mais il a rencontré euh, Éric Aouissin et d'autres. Euh, mais il n'a jamais été euh, pour l'indépendance, ni même l'autonomie de la Bretagne par rapport à la France. C'est un sujet on, sur lequel on aimait bien plaisanter tous les deux. Il m'accusait d'être beaucoup plus dur que lui sur ce sujet. Est-ce qu'on des, des, est qu peut dire que dans, dans son œuvre ensuite, hein, que ce soit d'ailleurs politiquement ou, ou sur le plan de la littérature, est-ce qu'il reste des traces de, de, cette, de cette ambiance euh, rouge, de cette ambiance socialiste de, de son enfance pour une partie de sa famille. Son, son père était, je crois qu'on peut préciser son père était également syndicaliste. Parce qu'il y a quand même un paradoxe par rapport à ce que vous dites là. C'est bon, Sans vouloir avancer trop vite sur, sur son parcours, il, est, il a quand même été très proche d'une mouvance catholique traditionnaliste, notamment, on en parlera, il était un des fondateurs de Présent, il était très proche de Madiran. On peut, voilà. Alors comment est-ce qu'on peut situer ça dans cette jeunesse-là et ce parcours-là Est-ce que c'est une quête, une recherche Comment on peut, on peut voir ça En fait, il a coupé définitivement avec la gauche à un moment très précis qui est le moment de la défaite de la France en mai 40 parce que il s'est rendu compte à ce moment-là que tout ce qu'on lui avait raconté quand il était enfant c'était des fariboles il était resté quand même proche de la gauche, mais il avait pris parti euh, dans le parti de Bergerie, le parti frontiste. Dans sa jeunesse, alors justement, il a été socialiste aux côtés de Bergerie, mais c'était un socialisme un petit peu particulier, puisque, puisque Bergerie aurait pu faire une carrière euh, très, très importante euh, en politique, mais qu'il était résolument pacifiste. Donc, vous voyez déjà un petit peu, à la veille de la guerre, il faut bien se dire que les, que les cartes ont été complètement redistribuées, puisqu'il y avait des gens de droite qui étaient pour la guerre et, et des gens de gauche qui étaient contre. Et c'est d'ailleurs à la veille de la guerre que le jeune Emmanuel Allotte a rencontré, des, enfin, a rencontré par la lecture des auteurs de droite qu'il n'avait jamais lus avant chez lui ni dans les bibliothèques municipales qu'il euh, qu fréquentait. Et il a rencontré, il, il a lu euh, Brasillac, bon, le seul auteur, euh, disons, est-ce qu'on peut le classer à droite Je pense qu'il est assez inclassable, mais il lisait Béraud chez lui. Mais il a découvert Drieux, Brasillac, etc. à la veille de la guerre, puisque tous ces gens-là euh, ne poussaient pas à la guerre. Et en mai 40, ça, alors là, j'ai retrouvé plusieurs... Euh, plusieurs passages dans ses articles, et il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle 1939-1940, l'année terrible. C'est un moment qui l'a énormément marqué. Jeune homme, il a, il était évidemment, euh, il avait fait son service militaire, il était, euh, euh, il s'est trouvé euh, à vivre la, euh, la déroute. Et ça a été un drame pour lui de voir que son pays, en quelques jours, finalement, était vaincu, était à terre. Et il a brusquement compris que tout ce qu'on lui racontait jusque-là, c'était, je reprends son mot, des fariboles. Et il a coupé complètement avec la gauche à ce moment-là. En fait, ce que vous dites là est très juste par rapport au, à cette espèce de brouillage de cartes. Par rapport au, à aujourd'hui, où, où les choses sont beaucoup plus nettes euh, par rapport à la gauche et à la droite, euh, avec Bergerie, il va rencontrer des gens comme Maurice Gayet, qui va être plus tard son, son rédacteur en chef à Rivarol. <coughs> On pouvait tout à fait être de gauche et être entre guillemets nationaliste d'une certaine manière, puisqu'en fait, c est, c est, il avait déjà cette fibre nationale avait, en, en lui, puisqu'il va très rapidement rejoindre le maréchal. Il avait donc, donc déjà en lui. Euh, euh, C'est important pour les jeunes, pour nos auditeurs, de peut-être comprendre qu'à l'époque. Les, les, euh, les choses n'étaient pas aussi claires qu'elles peuvent peut-être l'être aujourd'hui. Euh, aujourd voilà. Oui, puis dans, dans cette génération-là, on peut, on peut citer un des, des figures bah, le, le père de, de Lionel Jospin, par exemple, qui était, pareil, sur, sur des bases très pacifistes euh, le père de Pascal Gauchon, euh, qui, qui, qui est toujours vivant, bien sûr, hein, qui est dans nos milieux et qui qui en particulier à l'origine de la, la revue Conflit, pareil, était dans, ces, dans cette mouvance-là de, de cette gauche pacifiste et qui ne voyait en effet pas du tout l'intérêt d'un point de vue national de faire la guerre euh, avec l'Allemagne. Oui, c'est très juste. C'est très juste. Il a toujours aimé son pays, je pense, et c'est toujours ce qui l'a guidé, en tout cas, François Brignot, indéniablement. Et donc, quand il a entendu les propos du maréchal, il s'est dit « Voilà enfin quelqu'un » qui ne nous raconte plus de bêtises, qui dit les choses telles qu'elles sont, et donc on peut le suivre. Et comme ça n'est pas quelqu'un qui faisait les choses à moitié, il l'a suivi jusqu'au bout. Moi, j'aurais aimé vous poser une question, c'est de savoir, à, à, votre, à votre avis, euh, comment toute cette période de, de l'occupation et ce rapport, à, à au, en quoi ce rapport à, à Vichy au maréchal Pétain a pu être déterminant dans son engagement à venir Parce que je pense que là, ça va quand même mettre, même s'il y avait effectivement vous me disiez, des, 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 des livres qui pouvaient amener à ça ou des, des, des lectures qui pouvaient l'amener à, à côtoyer à la fois à le Brasillac ou autre, il y a quand même cette période de l'occupation qui va être déterminante dans sa dans son projet de vie à venir et, euh, et aussi euh, comment dire euh, ce rapport à la guerre ce rapport en quoi est ce que ça a été déterminant politiquement à, à votre votre selon vous alors déjà il faut préciser qu'il a fait partie de l'armée d'occupation donc il avait un très long service militaire et il est resté sous les drapeaux donc il est resté sous les drapeaux à peu près trois ans ce qui est quand même très long son engagement euh, non, pas sa fascination, son estime pour le maréchal était très forte. Et comme vous le savez, on le lui a assez reproché, il s'est engagé dans la milice, ce qui est assez surprenant, le 6 juin 1944, évidemment. Il s'est dit que les rats quittant le navire, lui n'allait pas le faire et que le maréchal aurait sans doute besoin de gens pour l'aider à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que le maréchal était... Le chef de l'État français. Donc il est resté deux mois à la milice, il n'y a rien fait de particulier. Le seul souvenir euh, frappant, c'est qu'il a, il a veillé le corps de Philippe Henriot, qui avait donc été assassiné. Mais il a fait beaucoup de gardes. Le seul souvenir qu'il ait de, de la milice, c'est une formidable envie de dormir. Puisqu'il y avait deux heures de garde pour une heure de sommeil. Et donc, il a l'impression d'avoir passé deux mois à avoir envie de dormir. Et ensuite, il a évidemment, bon, il n'a pas voulu partir en Allemagne. Quant à lui, il est resté à Paris. Il a été rattrapé par les DFTP. Il a connu une prison clandestine dans laquelle il a été torturé. Et où vraiment, il a frôlé la mort. Puis, il a été emporté, emmené à Fresnes. Qui n'était pas Freine Palace, mais qui au moins avait l'avantage d'être une prison officielle, où il a passé quelques mois, où il a retrouvé Brasillac, donc il a vu Brasillac la veille de sa mort quasiment, et puis on l'a relâché, il a été acquitté purement et simplement, avec dix ans d'indignité nationale, d'indignation nationale, comme il disait alors. Ce qui explique ensuite qu'il a fallu qu'il prenne euh, des pseudos pour euh, être journaliste, puisqu'il n'avait pas le droit d'écrire, en fait. Tout cela pour vous dire que cette période, euh, comme il le disait, deux mois d'engagement maudit, 50 ans de galère, on lui a ressorti ça sans arrêt. Imaginez, bon, là je fais un bond dans le temps très grand, il a écrit des romans policiers. L'un d'eux a été réédité par un éditeur de gauche. Qui s'appelle Jean-François Platé, qui dirige les éditions Baleine, qui s'est enthousiasmé pour un roman de François Brignot qu'il a trouvé sur les quais. Et il l'a réédité sous un de ses titres, puisque le roman est paru sous le titre de Paul Monopole et puis ensuite de Faut toutes les butées, excusez-moi, chères auditrices. Jean-François Platé a donc réédité ce, ce roman en 2010. Et François Brignol l'a prévenu, lui a dit Mais savez-vous qui je suis Vous allez avoir les pires ennuis. Mais non, c'est un policier c'est un, un livre que je trouve très intéressant, très bien écrit sur les voyous de l'époque, etc. Et Platé a eu droit à une, une véritable, un véritable tsunami dans sa maison d'édition, puisqu'il éditait Deninx. Qui a rameuté les auteurs pour qu qu'ils qu ne soient pas de, dans un catalogue à côté de François Brignot, cet horrible milicien, etc. Donc vous voyez, même à la veille de sa mort, ça lui a plutôt fait plaisir, à la limite. Il s'est dit bon, bah alors j'existe encore, on se souvient encore de moi. Euh, voilà, c'était plutôt amusant. Lui s'attendait à ça, donc euh, n'était pas très surpris. Oui, non, pas de pardon pour les Bretons. Xavier oui, je voulais juste revenir un instant sur son engagement dans la milice, donc le 6 juin 1944. On peut l'accuser de beaucoup de choses, sauf, euh, sauf d'opportunisme. Euh, quand quand j'ai découvert euh, François Brignot dans, dans les colonnes de National Hebdo à l'époque, j'avais été enthousiasmé par, ce, par son écriture. Je, ça a été vraiment une, un choc. Je trouvais ça merveilleusement bien écrit. Euh, et j'avais décidé de lui écrire. Euh, pour lui faire part de mon admiration, mais aussi justement pour... Euh, parce qu'à l'époque, je m'interrogeais un peu sur cet engagement. J'étais, moi, un fruit de l'école ré républicaine, j'avais une vision de la Seconde Guerre mondiale, on va dire, très... Euh euh, très manichéenne, et je, je ne comprenais pas bien comment un nationaliste avait pu euh, avoir ce type d'engagement, et je, je m'étais permis euh, de, de lui écrire, euh, de lui faire part de mon admiration, mais aussi de, de mes interrogations, et à ma grande surprise, il m'avait répondu une longue lettre euh, où il m'avait expliqué. Et donner des pistes de lecture pour m'inviter à découvrir l'histoire euh, sous un autre jour que celui que j'avais pu voir euh, à l'école. Et c'est ça avait été un, encore une fois une vraie une vraie découverte. Et j'avais été extrêmement touché par euh, le ton, le temps que cet homme avait pris pour me répondre alors que j'étais vraiment un gamin. Euh, et et j'avais par la suite pu en effet beaucoup mieux comprendre cette, euh, cette époque et cet engagement qui à l'époque me paraissait scandaleux et qui aujourd'hui euh, me, me paraît extrêmement courageux au contraire. Toujours par rapport à cette, euh, cette période de la guerre est-ce que, est que François Brignot n'a jamais eu le moindre doute par rapport à, à un éventuel engagement gaulliste Parce qu'après tout, on le sait, hein, il y a ce, ce livre de, de Pierre Péan sur une jeunesse française euh, qui, qui rapportait euh, il y a maintenant une vingtaine d'années l'itinéraire de, de François Mitterrand. Alors François Mitterrand est François Mitterrand, donc un, un mélange de. Euh, C'est pas pour rien qu'on l'appelait le Florentin, donc euh, d'opportunisme, de, de calcul politique. Mais. Euh, ce, qui, ce qui était apparu à l'époque aussi, c'est que derrière ce, cette personnalité de François Mitterrand, il y avait aussi plein d'autres gens qui, en effet, après avoir eu un engagement euh, auprès du, du maréchal Pétain, euh, en gros de 40 à 42, euh, 42-43, euh, ensuite, peu à peu, se sont rapprochés de, de la France libre et, euh, et du gaullisme. Alors certains par calcul, parce qu'ils sentaient le vent tourner, et puis d'autres aussi, euh, on va dire sincèrement, parce qu'ils euh, se pour diverses raisons sans doute qui seraient, bon, qui seraient propres à chaque individu. Mais il comprenait que, ou en tout cas, il se disait que finalement, leur engagement auprès du maréchal Pétain pour la France n'était finalement pas celui qui était peut-être le meilleur pour le pays. Dans le cas de François Brignot, il n'y a jamais eu le, le moindre doute Ou, ou c'est quelque chose qu'il n'a pas évoqué avec, avec vous, Anne Eh bien, c'est assez curieux parce que qu'il a rencontré Brasillac en 1943, à l'époque, Brasillac donc, écrivait dans Je suis partout et se rendait compte qu'il euh, fallait au moins faire bouger un peu le, la politique française, que la victoire allemande n'était plus si sûre, etc. Bon. Et Brasillac avait, luttait pour une, un positionnement un peu différent de Je suis partout et il a été extrêmement attaqué. Par ses anciens amis, par Lucien Rebatté, notamment. Et à ce moment-là, François Brignot, qui lisait Je suis partout pour Brasillac, parce qu'il avait aimé ses pièces de théâtre, il avait aimé Notre avant-guerre, etc., a écrit à Brasillac en lui disant Mais c'est vous qui êtes dans le vrai, c'est vous qui êtes réaliste, et c'est vous qui êtes vraiment courageux, etc. Ils se sont donc rencontrés, puisqu'ils étaient voisins. Euh, François Brignot habitait rue Mouffetard et Brasillac rue Râteau avec euh, les Bardèches. Et curieusement, euh, alors qu'il avait félicité Brasillac pour cette prise de position plus nuancée, lui, le 6, février, le, le, le 6 juin 1944, s'engage. Mais c'est la réaction d'un jeune homme impétueux qui ne veut pas qu'on qu dise qu'il qu quitte le navire qui euh, est dégoûté par ce qu'il entend euh, à Londres, euh, et puis qui a vu pas mal de ses copains euh, euh, tués ou torturés euh, euh, en province notamment. Il euh, bon, y a eu des combats très durs, il euh, y avait pas mal de, de, de rouges espagnols euh, en Limousin, etc. Et, et tout cela frappait les gens. C'est beaucoup par anticommunisme qu'il s'est qu engagé aussi. Il ne faut pas oublier ça. Euh, C'est difficile de comprendre ça pour quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui. Mais le communisme était une menace extrêmement forte. On l'a vu quand même en C'est, Je crois ça a été déterminant pour lui. Il disait que s'il n'avait pas été anticommuniste à partir de 1917, c'est parce qu'il n'était né qu'en 1919. Oui, donc en effet, il ne pouvait pas avoir de, de questionnement sur, sur le fait de rejoindre la France libre dès lors que la, la dimension communiste était forte. Euh, alors, Winsorf Oui, on, alors, on voit cette période de, de la guerre, cet emprisonnement qui va le marquer, je pense, aussi euh, au fer rouge et longuement sur, sur toute sa carrière à venir. Euh, rapidement, après, euh, pour pouvoir, comme vous l'avez dit, pour pouvoir travailler et écrire, il prend différents pseudos. Mais rapidement, il rentre dans la presse malgré tout. Il rejoint, je crois, euh, Rivarol assez rapidement pour commencer. Sous un pseudo. Déjà dire que le, le, le pseudo Brigno, en fait, c'est un pseudo. C'est en, en relation à, à la Bretagne également. Je crois que c'est un, un port. Je crois qu'il appréciait particulièrement. Donc voilà pour situer un peu la chose. Et rapidement, donc on, on rentre dans le vif du sujet. Une fois la, 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 cette période d'emprisonnement, euh, il retourne à. Parce qu'il faut dire aussi qu'au niveau euh, de formation, il n'avait absolument aucune formation journalistique. Il avait, euh, il me semble, peut-être. Dites-moi. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que. Il, en fait, il a une véritable vocation de journaliste. À 12 ans, il a créé son premier journal qui s'appelait David, pour deux raisons. Parce que le petit David euh, se combat le grand Goliath, déjà, et parce qu'il aimait beaucoup David Copperfield de Dickens. Il faut dire qu'il y a un, un petit détail dans sa vie qui, qui compte beaucoup euh, dans sa vocation, c'est qu'il était légèrement bègue. Ce qui d'ailleurs est un point commun avec Antoine Blondin et servira à les rapprocher encore plus quand ils se rencontreront. Étant bègue, il ne pouvait pas raconter le monde par oral et il avait très envie de le raconter par écrit. Donc, comme je le disais, il a créé son premier journal, David, à 12 ans. Il n'y avait qu'un exemplaire manuscrit et donc on ne l'achetait pas mais on le louait le prix d'un rouleau de réglisse. Et comme raconte François Brignot, ma mère me trouvait la langue un peu chargée parfois. Bon, ce qui prouve que David avait du succès. Ensuite, il a écrit, quand il a rencontré Brasillac, Brasillac lui a dit Mais tu devrais écrire. Tu devrais écrire comme tu parles. Tu devrais utiliser cette langue populaire que tu aimes. Et il a donc écrit deux nouvelles qui sont parues. En juin 1944. Donc, euh, mai et juin 1944, ça n'était pas la meilleure période pour lancer un jeune auteur dans Révolution nationale, donc un journal fondé par Jean Fontenoy et qui, à l'époque, était dirigé par Lucien Combel. Mais, quand même, les nouvelles ont été repérées par Henri Béraud, qui, euh, en prison, aura l'occasion de féliciter François Brignot, qui sera tellement heureux d'être félicité par Henri Béraud qu'il se dira bah, ⁇ ça valait le coup de venir en prison ⁇ Donc vous voyez, il, euh, il avait toujours rêvé d'écrire. Et effectivement, quand il est sorti de prison, il a fait des petits boulots, comme il en avait fait pendant la guerre pour, euh, pour vivre. Il était déjà marié, il avait une petite fille, donc euh, voilà, débardeur. Euh, il a travaillé dans une usine d'allume-gaz euh, à Brie-sur-Marne. Bon, voilà. Et puis, il a rencontré, euh, Boulevard Saint-Michel, un ancien journaliste euh, qu'il avait connu à Fresnes, puisque c'était l'endroit où on pouvait se faire de bonnes relations. Il y avait des ministres, il y avait des chanteurs, il y avait des grands journalistes, etc. Des, des militaires, des généraux, bref. C'est ainsi qu'il qu a recommencé à écrire. Donc là, si nous évoquons le côté littéraire en utilisant cette langue non pas non pas de l'argot il y tenait il disait qu'il n'utilisait pas l'argot pour écrire puisque l'argot est un est une façon de parler utilisée par disons les voyous pour que les caves ne les comprennent pas tandis que lui utilisait la langue parlée écrite et il a donc écrit des nouvelles dans un journal qui était dirigé par pierre Boutan et qui s'appelait parole française c'est là où il a rencontré antoine blondin et les nouvelles, il a repris le, le, le personnage de Coco Belleuil, ces nouvelles ont été remarquées par Céline. Ces nouvelles étaient lues par Christian de Lamazière, qui était à ce moment-là euh, en prison, par Xavier Vallat. Euh, ces nouvelles avaient beaucoup de succès. Donc, vous voyez qu'il avait, ce, il avait ce, ce, cette vocation de journaliste. Et puis après, effectivement, donc, il va créer euh, La Dernière Lanterne avec... Euh, pierre Boutan et antoine blondin ensuite il va il, il va travailler c'est assez amusant la façon dont il entre euh, dans la grande presse puisqu'il entre à france dimanche qui était dirigé par pierre lazareff tout à fait par hasard il était euh, complètement dans la dèche avec blondin et ils ont rencontré euh, quelqu'un qui venait d'être viré de france dimanche je cherche son nom, je vais le retrouver. Euh, il a notamment fait des films, bref. Euh, donc il est allé, il a foncé à France Dimanche, puisqu'il savait qu'on cherchait des, des rewriters, j'emploie le mot, puisqu'il n'a pas d'équivalent en français. Donc quelqu'un qui utilisait à ce moment-là, vous aviez des journalistes qui vous rapportaient des, des faits bruts, et vous aviez des gens qui, qui écrivaient l'article. Il a été pris. Et voilà comment sa carrière dans la grande presse a commencé, à France Dimanche. Xavier Est-ce que, est que son employeur, à ce moment-là, était au courant, de, savait très bien qu'il était, l'a embauché en, en connaissance de cause, ou est-ce que, le, par l'usage des pseudonymes, etc., il arrivait à, ne pas, enfin, à travailler sous couvert, si je puis dire Tout le monde savait d'où il venait. Il ne s'en cachait pas, ça n'était pas le genre. Et Lazarev savait très bien à qui il avait affaire. Il suffisait qu'il prenne un, un pseudonyme et il était pris quand même. Simplement travaillant à France dimanche, il va être apprécié, il va donc monter en grade. Mais comme il ne pouvait pas s'exprimer, exprimer tout ce qu'il avait sur le cœur, il va créer il va créer la fronde avec Maurice Gaït et les numéros de la fronde, dont, tout cela étant clandestin, ont circulé à France Dimanche. Et là, à ce moment-là, Lazareff lui a dit bon, Écoutez, mon brave monsieur, voilà, il a été viré à cause de ça. Ça n'a été qu'un des, qu des tournants dans sa carrière journalistique. Mais il faut dire quand même à nos jeunes auditeurs que, je vais un petit peu plus vite, mais il a raté le prix euh, Albert Londres dans les années 50. Pour une série de reportages, il l'a raté non pas parce que ces reportages n'étaient pas bons, mais parce que un des membres du jury a dit qu'il n'était pas question qu'on donne le prix à quelqu'un comme François Brignot. Il a eu le Grand Prix de la littérature policière pour La beauté qui meurt en 55, me semble-t-il, ou 56. Et en 65, vous avez un sondage de l'IFOP. Qui le donne comme le deuxième journaliste de France. Je n'ai pas réussi à savoir qui était le premier. Mais euh, donc François Brignot était extrêmement connu. Puisqu'après France Dimanche, il est allé à Semaine du Monde, donc euh, hebdomadaire euh, d'Hersan. Quand Semaine du Monde s'est arrêté, il a été engagé à Paris Presse. Et il a été grand reporter à Paris Presse. Il est allé. Euh, il a couvert le voyage de chef aux États-Unis en 1959. Il est allé au Congo pendant la révolution de Lumumba. Et là, c'est assez amusant. Il raconte ça dans Mon Après-guerre, qui, qui est un livre extraordinaire. Il raconte qu'évidemment, les journalistes se retrouvaient dans le seul hôtel correct du coin et qu'il y avait notamment son confrère du monde qui s'appelait Eugène Manoni. Et il a entendu Eugène Manoni dire. Aucune théorie progressiste ne résiste à huit jours de Congo. <laughs> Bien évidemment, il écrivait le contraire dans son journal. Euh, euh, justement, par rapport au prix Albert Long, il faut dire qu'il avait quand même fait fort. Il y a eu des interviews quand même de Léonie Riefenstahl. Il a également, je crois, interviewé De et voilà, donc euh, Il ne se cachait pas et il allait vers des gens aussi qui, avec qui il avait peut-être une certaine sensibilité. Je vais revenir à ce que vous disiez par rapport au, au, euh, comment, au brigno politique des années 50. Quand on côtoie des gens comme Valla, quand on côtoie des gens comme Boutan, Blondin, je crois aussi. Est-ce qu'on n'a pas, euh, par rapport à l'action française notamment, parce que qui était quand même un, un phare intellectuel, peut-être un peu moins après la guerre, mais qu'il l'a été au combien avant. Euh, quelle relation il avait par rapport à ça Est-ce qu'il a été, est-ce qu'il a eu une fibre monarche Ça c'est pour peut-être plus préciser le politique, euh, parce que quand on, quand on côtoie Bouton ou voilà, je crois qu'il y, y a quand même des affinités. Alors, est-ce qu'il avait, quel était son positionnement par rapport à ça, et par rapport à Moras notamment Effectivement, après la guerre il a constaté que la seule famille politique qui avait tenu le coup c'était l'action française et là les gens s'entraidaient etc il a, il a donc effectivement euh, euh, travaillé avec beaucoup de gens venant de l'action française il a eu plaisir à travailler avec eux mais il n'était pas il n'a jamais euh, adhéré à l'action française quand Boutan, par exemple, euh, lui a proposé de rejoindre, euh, à ce moment-là, euh, ça, ça ne s'appelait plus L'Action Française, c'était euh, Aspect de la France. Euh, il, mais il a François Brignot a travaillé dans plusieurs journaux monarchistes. Il a donné des articles euh, il a travaillé avec Marcel Justinien, par exemple, là où il a rencontré le futur euh, Jean Madiran. Donc il a connu énormément de gens d'action française, mais quand, quand Boutan lui a dit, bah, écoute, viens avec moi à Aspect de la France, il lui a dit, non, avec vous dans des coups, oui, mais chez vous, non. Donc curieusement, et je, je, d'ailleurs j'en parle, je, euh, je fais tout un chapitre là-dessus, sur ses liens avec l'action française. Ensuite, il a toujours été, je dirais, compagnon de route de l'action française au cours du temps. Il a donné des conférences, il allait au banquet de la F, etc. Mais il n'a jamais vraiment été monarchiste. Je cite notamment une lettre de lui que j'ai retrouvée à un de ses vieux amis monarchistes, avec lequel il était allé rencontrer De Grelle dans les années 50. Et je cite la lettre qui date des années 90. Et il lui dit euh, euh, bah, Finalement, euh, j'ai quand, quand même un fond populaire et je trouve que c'est bien qu'on demande l'avis du peuple sur certaines choses. Et puis, euh, je suis contre le suffrage universel quand il n'est pas bon pour mes amis, mais quand il est favorable, je trouve que ça n'est pas si mal. <laughs> Quant à Maurras lui-même, il a il s'appelle en reprenant une expression de gustave thibon un Maurassien du reflux c'est-à-dire qu'il n'a jamais été action française mais au cours du temps de plus en plus il a lu et apprécié moras et il l'a vraiment moras a vraiment été un maître à penser pour lui tout de même quand on entend les, les, les grands titres auxquels François Brignot a participé, le fait qu'il ait été grand reporter, qu'il ait fait des, des reportages assez extraordinaires, on a un peu l'impression, alors c'était dans les années 50, que bien qu'on soit à quelques années de, des drames de l'occupation, puis des, des drames de, de l'épuration, on a l'impression que la société peut-être moins sectaire qu'elle ne l'est euh, curieusement aujourd'hui, puisqu'on a du mal à imaginer euh, aujourd'hui quelqu'un de marqué politiquement comme lui travaillant pour euh, Le Monde ou, Fran ou, ou France 2. Et c'est assez curieux, alors qu'on était beaucoup plus proche, qu'il y avait encore beaucoup d'acteurs de, de ces drames. Euh, Est-ce que le climat était moins délétère, de, 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 la vigilance citoyenne moins forte à cette époque que, que maintenant Indéniablement, indéniablement. Même il disait, je l'ai entendu dans les années 80, Dire que même après la guerre, même au moment où on tuait encore, puisque Bassompierre a été fusillé quand même très tard, le, la chape intellectuelle était beaucoup moins lourde. Et selon lui, c'est après la guerre d'Algérie que les choses ont commencé à changer. Et dans les années 80, bien sûr. Euh, avec les lois liberticides, euh, elles sont devenues beaucoup plus beaucoup plus difficiles. Mais je me souviens euh, les avoir entendues. Henri Coston et lui dire que euh, donc ce devait être en fin des années 80, oui, 89 90, dire que jamais le climat n'avait été aussi lourd depuis la guerre. Oui, hein qui, qui l'explique hein, de, de la façon suivante euh, sur un, sur en fait un, sur des conflits de mémoire parce que finalement euh, bon les, ceux qui avaient connu la guerre hein, s'expriment beaucoup de 45 à 48 et là c'est vrai que euh, que François Brigno ait pu sentir à ce moment-là qu'il y avait finalement plus de liberté euh, en 45-48 que dans les années 80 c'est vrai que c'est quand même assez euh, Bon, ça montre la, la lourdeur hein, des années 80, parce que 45 à 48, les, les revenants, par exemple, des camps euh, s'expriment, etc. Donc, euh, mais bon, dans les années 50, ce pas étonnant, parce que c'est vrai que dans les années 50, il y, euh, y a une telle envie d'oublier euh, d'une partie de la société, euh, la mise en place des 30 glorieuses, etc., que du coup, c'est vrai que finalement, la guerre n'était pas très loin. Mais euh, à ce moment-là, euh, par exemple, les, les déportés, en particulier, hein, l'édition consacrée à la déportation est vraiment minime. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu les, les titrages hein, de, de livres consacrés au sujet, le, la courbe descend très très rapidement. Euh, alors, certes, il y a, certes, y a le, ce mythe résistantialiste qui est mis en place par, euh, par les gaullistes et puis qui va vraiment prendre sa. Ça a toute son ampleur au début des années 60, mais il y a quand même ces années 50 qui, de fait, oui, peuvent apparaître comme des, des années euh, heureuses euh, à ce moment-là, parce qu'il euh, y a une sorte de, de réconciliation nationale par l'oubli. Puis on peut rappeler qu'il y a quand même trois, trois lois d'amnistie. Hein. La, la première, elle est prise dès 1947. Euh, puis ensuite, il y en a deux, une en 51 et une en 53, qui, font, euh, qui vident les prisons. C'est vrai que l'épuration se poursuit euh, assez tard en termes de procès, mais en même temps, les, les différents gouvernements de la, la 4 République ouvrent les portes et euh, font tout finalement pour que les années 50 soient relativement apaisées. Et donc de fait, oui, on peut comprendre que les années 80 étaient d'autant plus lourdes, euh, d'autant plus que c'est à partir des années 110 qu'on voit ce, ce retour de la, la mémoire juive de, par rapport à la déportation qui va vraiment, vraiment euh, plomber le, le climat euh, politique et euh, ce, ce climat de relative tolérance qui pouvait exister dans les années 50-60. Euh, qui, a, qui a pour le coup totalement euh, disparu. Euh, par contre Anne j'aurais voulu juste revenir sur, le, sur son niveau d'études en fait parce que là, là euh, on vient d'évoquer un certain nombre de choses un certain nombre de parcours euh, mais il, il avait quoi pour faire tout ça Donc, euh, Même s'il avait la, une, une vocation avec, avec David à partir de 12 ans mais sinon <laughs> bon, Déjà il a beaucoup lu, il, il était fils d'instituteur et son pauvre père a dû être un peu déçu parce qu'il n'était pas du tout un élève modèle quand il a eu l'occasion de rencontrer euh, d'autres fils d'instituteurs, ils en ont parlé. Euh, donc, lui, mais il dit toujours que non, donc il a fait ses classes euh, en lisant euh, et qu'il ne les a pas faites sous la férule de l'instituteur. Mais il avait tout de même, j'ai retrouvé ça, il avait un brevet supérieur. Très peu de gens avaient un bac à l'époque et le brevet supérieur permettait d'être instituteur, justement permettait d'entrer à l'école normale d'instituteurs et j'ai vu que dans les années qui ont suivi, le brevet supérieur permettait d'entrer à la faculté. Donc ça n'était tout de même pas tout de même pas un niveau d'études si euh, si peu important. C'est oui, l'équivalent d'un doctorat actuellement vu le niveau général de l'université. Oh, oui, <laughs> Mais euh, oui, non, ça veut dire c'était un beau parcours parce que le, là aussi, hein, pour pour reposer un centre de choses que que nos auditeurs, je pense, ne, ne connaissent pas parce que ce sont pas des choses qu'on a l'habitude. Euh, en gros, l'école l'école élémentaire à ce moment-là se divisait entre deux ordres un ordre primaire et un ordre secondaire. Alors nous, on a l'habitude que l'ordre primaire, et l'ordre secondaire, soit l'un en dessous de l'autre, c'est-à-dire qu'on va d'abord en primaire, puis ensuite on va dans le secondaire. Alors qu'à l'époque de la, la jeunesse et de l'enfance de, de François Brignol et ce, jusqu'à jusqu la fin des années 60, euh, on avait deux, deux niveaux, deux ordres qui étaient l'un à côté de l'autre. Donc l'ordre primaire, qui euh, concernait essentiellement l'école élémentaire, euh, qui était plutôt considérée comme l'école du peuple, hein, c'est ce qu'on appelait la communale qui regroupait dans les années 50 à peu près 4 millions d'enfants. De, Et l'ordre secondaire qui, lui, parce qu'il était payant, s'adressait plutôt aux, aux classes bourgeoises, euh, qui là aussi offrait une, une, une école élémentaire, mais qui permettait d'accéder au bac. Alors que normalement, c'est vrai que l'ordre primaire euh, ne permettait pas de permettait d'avoir le, euh, le brevet d'études élémentaires, hein, le, le fameux certificat de, de fin d'études qui maintenant est considéré comme le... Comme le, le bréviaire à l'époque de, de tout ce qui pouvait se, se faire de, de mieux. Et ensuite, voyant qu'il n'y avait pas finalement de débouché pour les, les, les bons élèves de, de la communale, ils avaient mis en effet en place ce, ce brevet supérieur, qui était en effet l'équivalent du, du bac. Euh, Peut-être un petit peu en dessous euh, par rapport au bac du secondaire, de l'ordre secondaire, mais qui en effet avait du coup un niveau tout à fait correct. Alors ça m'a amusé quand j'ai vu le. Euh, vraiment le papier euh, par lequel il, il avait reçu son brevet supérieur. D'ailleurs, quand le papier lui est arrivé, il était euh, sous les drapeaux, puisqu'il avait été appelé. Mais euh, j'ai vu qu'il avait pris comme option euh, études agricoles. Donc j'étais un peu étonnée, je me disais, bon. Et un de mes amis m'a donné l'explication, il m'a dit que le ministère de l'Agriculture regroupait également la, tout ce qui était marine. Et donc, en fait, je pense qu'il a tout simplement euh, euh, fait valoir ses connaissances. Euh dans tout ce qui était marine, puisqu'il avait des oncles pêcheurs et qu'il allait pêcher avec eux. Je pense que c'est plutôt ça l'explication. Il était lui-même passionné de, de voile. Il, ah, a, eu, ah, il toujours, a eu des bateaux toujours, euh, tout, toujours, toute, toute toujours, sa vie toujours, et il ouais. a passé de, de nombreuses vacances sur, sur la mer. C'était une, une de ses passions après, après l'écriture. Une de ses passions. D'ailleurs, je crois qu'il mettait un point d'honneur à partir en vacances. Il prenait quoi Deux, trois mois de vacances Je crois que c'était ça. Il, avait, il, prenait, il, avait, il consacrait à sa famille, à cette période de vacances, un temps important. Dans, voilà, voilà, à partir d'un certain moment. Minutes, enfin, donc tout cela est un peu chaotique. On passe d'une période à l'autre, mais quand il va être éditorialiste chroniqueur à Minute, et donc la, la plume de minutes, le porte-drapeau de Minute, il réussira effectivement à avoir trois mois de vacances. Donc, il n'avait pas de voiture, puisque la seule fois où il a conduit, il y avait Marcel Justinien et Jean-Louis Lagorre, donc le futur Jean Madiran, dans la voiture et qu'il a failli les tuer. Donc il a décidé de ne jamais conduire. En revanche, il avait un bateau. Et il a beaucoup navigué en Atlantique. Euh, sa femme préférait le soleil. Donc euh, ils sont allés en Méditerranée. Et il a beaucoup navigué en Méditerranée. Il raconte tout cela dans mon après-guerre et c'est passionnant. Je voudrais juste revenir un petit peu sur, euh, sur euh, la période de la fronde, où il y aura des positionnements... Euh, Très très net, notamment sur la guerre d'Indochine, parce qu'on n'en parle pas. Alors, on, on a évoqué le fait qu'il avait son, son pacifisme d'avant-guerre. Bon, effectivement, il y a eu cet engagement dans la milice, ainsi de suite. Mais euh, cette vision de l'Empire, est-ce qu'il s'inscrivait est qu véritablement dans cette, dans cette image un peu à l'époque d'une France euh, euh, Quelle vision avait-il de, de l'Empire et, et par rapport à l'Indochine il, il sera un, un défenseur acharné de l'Indochine française. Oui, Maurice Gaït avait fait tout un tout un credo, je dirais, de la Fronde, et il le suivait dans, dans ce domaine. N'oubliez pas que la Fronde n'a eu que quatre numéros, mais que euh, l'équipe a été repérée par, euh, par Maliavin, qui donc les a approchés et leur a permis de créer un hebdomadaire qui s'appellera Rivarol. Et d'ailleurs, le, le pseudonyme de François Brignot a d'abord été utilisé dans la fronde par celui qui signait Julien Guernec depuis Parole française, parce qu'il écrivait ses articles politiques sous le nom de Julien Guernec et qu'il avait pris le nom de François Brignot pour écrire ses articles de critique cinématographique. Et ensuite, il prendra le pseudonyme de François Brignot comme pseudonyme principal, notamment quand il entrera à « Semaine du monde ». Donc la période Rivarol est très intéressante puisque il a été notamment rédacteur, adj, ré, rédacteur en chef adjoint pardon à Rivarol qu'il a énormément il connaissait ça c'est important aussi c'est un journaliste qui connaissait le travail de mise en page et qui connaissait le travail du marbre et c'est quelque chose d'important parce que il a toujours apprécié ça quand il était éditeur il tenait à telle ou telle mise en page, à telle ou telle couverture. C'est quelque chose qui, qui était très important pour lui. Mais par rapport à l'Empire, pour compléter un petit peu ce que Wilsdorf a dit, est-ce que c'était par pur anticommunisme ou est-ce que c'était euh, est vraiment un attachement euh, euh, avéré, enfin, un attachement profond à, à l'idée que la France est, est des colonies, à votre avis Je pense que c'était plutôt par pur anticommunisme. Mm -hmm. Enfin, j'aurais tendance à expliquer ainsi. Oui, non, parce que l'Indochine était loin. Pour l'Algérie, la, pour on peut comprendre euh, cet, cet engagement euh, important hein, d'une partie de, de l'opinion française et des mouvements politiques qui, euh, qui, par ailleurs, peuvent, peuvent nous être proches. Ou, bon. Mais c'est vrai que l'Indochine, euh, on sort de la guerre, l'Indochine, c'est loin. La France, on a été chassé hein, pendant la guerre euh, par les Japonais. Et donc, euh, c'est vrai que le. Le, cet engagement dans la guerre d'Indochine peut, peut être plus surprenant maintenant à, à nos yeux que, par exemple, l'engagement pour la, la guerre d'Algérie, clairement. Oui, mais je dirais qu'il y a, donc euh, je ne parle pas de François Brignot dans ce domaine, mais un attachement presque sentimental très fort pour l'Indochine. Bien, mais M. Euh, Xavier, sauf si vous voulez un petit mot, sinon. Ah on fait la pause musicale, c'est ça. Ouais, <laughs> voilà, oui, on peut faire une petite pause. Euh, voilà. bon, je vous propose un morceau de Malicorne. Alors, Malicorne n'est pas sans doute pas forcément connu de, de vous. C'est un groupe qui avait un, un grand succès dans les années 70-80. Euh, un groupe dirigé par Gabriel Yacoub. Et c'était un, un groupe qui, qui avait connu beaucoup de succès par rapport à toute cette vague de, de retour hein, de, de ce qu'on appelait la musique folk. Alors, ça a été très fort aux états unis et dans le monde anglo-saxon. Et en France, un certain nombre de, de musiciens, dans les années, à la fin des années 60 et années 70, se sont mis à exhumer aussi, soit des, soit des titres de, du, du répertoire traditionnel et populaire français, soit aussi également en inventer. Et un des plus talentueux a sans doute été Malicorne. Alors, il se trouve que là, Malicorne, après des, des années et des années de silence, euh, apparemment re, renaît de ses cendres, puisque j'ai vu des, en province, j'ai vu des affiches qui annonçait un, un concert et une tournée donc euh, voilà pour, ce, pour se souvenir de ça et puis euh, peut-être éventuellement vous de, donner l'envie d'aller voir ce qu'ils font de, de nouveau donc un morceau de malicorne Mon seigneur, le de retour sur méridien zéro. Alors dans ce dans ce fil dans ce fil à la fois chaotique mais qui en fait est très cohérent, hein, bien sûr, ça ne ça peut pas être autrement. Euh, on peut on peut continuer, Xavier. Toi, tu avais envie de, de repartir justement sur, sur Blondin et sur les, les et amitiés sur de cette la, époque Sur, sur l'amitié entre, entre François Brignot et Blondin, qui est une grande amitié, qui est peut-être aussi, euh, euh, puisqu'elle s'est malheureusement terminée, il y a eu un éloignement, qui a peut-être été une des, une des blessures importantes de la vie de, 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 de François Brignot. Qu'est-ce qui explique cet éloignement et, et, Parce qu'ils ont été vraiment extrêmement proches pendant plusieurs années. Et comment a-t-il été re ressenti par, par François Brignot alors effectivement, Blondin, il l'a rencontré à parole française. Ils ont tout de suite sympathisé. Ils étaient tous les deux bègues, je l'ai dit. Ils étaient tous les deux passionnés de football, passionnés de littérature. Tous les deux, tous les deux fils uniques. Non seulement enfants uniques, mais fils uniques. Et euh, le soir même où ils se sont rencontrés, ils ont pris. Euh, ils sont allés prendre plusieurs pots ensemble euh, jusqu'à la rue mouffetard C'est une de leurs passions communes, Voilà. Été... <laughs> Donc, les verres de contact, c'est ça. <laughs> et, et ça a été une amitié, effectivement. Brignot dit J'ai retrouvé un, un frère, un petit frère, un jeune frère, alors que j'avais perdu à, presque un an après avoir perdu le grand frère. Donc, il faisait allusion à Brasillac. Et ils ont été très très copains, plus que copains, amis. Ils ont écrit dans les mêmes journaux, donc Paroles française. Ils ont écrit dans La Fronde. Ils ont écrit dans Rivarol. Et ils ont tout partagé. Ils ont, quand quand l'un avait de l'argent, euh, euh, l'autre en profitait. Ils ont sans doute partagé quelques conquêtes ensemble. Enfin, ils ont, ils ont vécu de façon très bohème. Et je me souviens avoir interrogé... Quand, quand, quand Antoine Blondin est mort, j'en ai reparlé avec François Brignot et sa femme, qui se souvenait évidemment très bien de Blondin. Et ils disaient que quand ils avaient dû quitter Paris et rejoindre... Ils, ils sont venus vivre à Saint-Cloud chez les parents de Sabine, donc la deuxième femme de, de François, puisque un, un bébé arrivait et qu'il n'avait plus de quoi payer l'appartement de la rue Borgard. Et ils ont cru qu'ils ne verraient plus Blondin, parce que Blondin avait horreur de la campagne. Dès qu'il s'éloignait du bitume, il se sentait euh, euh, perdre des forces. Mais enfin, ils ont réussi à lui faire prendre le train à Saint-Lazare, et il venait quand même les voir à Saint-Cloud avec plaisir. Non, non. Donc, effectivement, il y a eu un éloignement du, pour diverses raisons. Déjà, euh, une amie proche de Blondin qui ne devait pas apprécier euh, les amitiés trop marquées politiquement, donc il a un petit peu éloigné de, de ce milieu. Ensuite, euh, peut-être aussi que quelqu'un comme Clébert Eddins ou Roger Nimier ont fait prendre conscience à Blondin qu'il avait vraiment du talent et qu'il fallait qu'il se consacre à la littérature et non plus... de à des petits journaux un petit peu trop marqués. Il y a eu, quand François Brignot était à Minute, l'affaire Ben Barca qui a été un détonateur aussi entre eux, puisque euh, bon je ne vais pas raconter toute l'affaire Ben Barca qui a eu quand même un peu de qui a fait du bruit en France à l'époque, mais disons simplement que euh, un nommé Figon était venu euh, Trouver François Brignot à Minute parce que on l'avait approché justement pour enlever Ben Barca, qui était un bonnet euh, euh, marocain. Euh, et donc, comme Figon euh, avait été euh, floué par les flics qui ne voulaient pas euh, payer, euh, il était venu raconter des choses à François Brignot. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il parlait de bébé. Au début, et François Brignot, qui ne connaissait pas Ben Barca, pensait qu'il parlait de Brigitte Bardot. Donc il ne voyait pas du tout ce dont il s'agissait, mais bon. Et, et en fait, Ben Barca a effectivement été enlevé. Donc, euh, Brignot avait euh, des éléments importants. Et Blondin, qui connaissait Figon, parce que Figon était un voyou qui se prenait un peu pour un écrivain et qui. Euh, et qui traînait dans les bars euh, euh, plus ou moins littéraires de l'époque. Euh, Blondin a appelé Brignot en lisant Ne dis rien sur Figon, ne révèle pas, etc. Bon, ben, Brignot n'avait aucune raison de, de ne pas utiliser le scoop qu'il avait. Donc euh, voilà, Blondin a très mal pris la chose. Et puis, il y a eu les Jeux Olympiques de Moscou, des années plus tard. Et donc évidemment, Minute a fait toute une campagne pour le boycott de ces Jeux olympiques. N'oublions pas à ce moment-là que Moscou était, était encore sous la coupe communiste. Et Blondin est allé accompagner les Jeux. Il a fait des petits, des petits papiers légers comme il aimait les faire. Et ça, ça a vraiment été le... Le, le coup final à leur amitié. Mais bon, ils s'étaient déjà éloignés l'un de l'autre, la vie les avait séparés. Quand j'en ai parlé à Brignot au moment de la mort de Blondin, il m'a dit effectivement, Blondin euh, bon, a écrit, s'est engagé indéniablement euh, euh, là où j'étais aussi, mais c'était plutôt un engagement euh, euh, sentimental, ça n'était pas un politique. Bon, euh, voilà, ceci explique peut-être cela. D'un point, point de vue littéraire, est-ce qu'on est qu peut arriver à, à tracer des points communs entre les deux hommes Ou rien du tout Ou il n'y a vraiment c aucune, aucun rapport euh, Peut-être euh, un oui. attachement euh, à une certaine, forme de, une certaine littérature populaire, dans le bon sens du terme, peut-être Dans l'écriture, en tout cas Oui. Enfin, en tout cas, une, une chose assez amusante, c'est que l'Europe buissonnière est notamment euh, dédicacée à François Brignaud, ou elle Il me semble que c'est sous le nom de ou euh, à Michel Déon sans lequel je n'aurais pas commencé ce roman et à Wellalotte sans lequel je ne l'aurais pas terminé, me semble-t-il. Mais c'est assez amusant, Blondin et Brignaud ont fait aussi ensemble des pastiches de, de, de journaux parisiens, donc euh, l'Épique, euh, euh, que sais-je, Le Firago, etc. Ça malheureusement je ne les ai pas retrouvés. Ça, si, si un auditeur ou une auditrice pouvait m'en envoyer un, ça me ferait très plaisir. Et Brignon me racontait que lui faisait les euh, lui faisait les pastiches de d'articles plutôt sérieux, alors que Blondin faisait les pastiches d'articles amusants. Il se souvenait notamment dans un article sur le euh, le, la débandade de, de mai 40 euh, une phrase de Blondin le front se dégarnissait près des tempes <laughs> Peut-être que, que Blondin était plus écrivain que, que Brignot parce que Brignot même s'il a, il a une, une œuvre littéraire c'est avant tout quand même un journaliste il est enfin, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce il est d'abord c'est un journaliste qui a écrit des, des romans mais c'est avant tout un journaliste Ah je suis parfaitement d'accord avec vous, et, et non seulement je suis d'accord, mais il le disait lui-même. Il disait que la plupart du temps, les gens écrivent des articles, mais qu'ils aimeraient se consacrer à leurs livres, alors que lui a écrit des livres, et Dieu sait s'ils sont bons, je pense à mon après-guerre, qui est un livre extraordinaire. Mais il se voulait, et il était avant tout journaliste, il disait qu'il était chroniqueur de l'instant. Et fier de l'être, c'était vraiment sa vocation. À la différence de euh, quelqu'un qui l'a bien connu, qui était un ami aussi, euh, Michel Déon. Mais Michel Déon est foncièrement écrivain, même s'il a écrit un bon nombre euh, d'articles. Mais voilà, dans le petit mot que Michel Déon m'a envoyé euh, pour me dire toute son, son émotion à la lecture de mon livre, il y a, euh, je jette un coup d'œil, Merci de tout cœur pour votre envoi. Ce petit livre est bien ce qu'il fallait dire de notre ami, les justes détails de son œuvre et sa fantastique énergie. Vous m'apprenez beaucoup, voilà ce pourquoi je pense à ça. À partir du moment où j'ai vécu à l'étranger, j'ai très peu suivi la presse dans laquelle il zigzaguait toujours attiré par les périodiques. Et on sent que ça n'est pas le, le, le goût de, de Déon quant à lui. Voilà. Et pourquoi, euh, si on reste sur la littérature, alors pourquoi le roman noir Pourquoi cette, euh, ce, ce genre-là Alors, qui aujourd'hui hein, euh, remplit les gondoles, c'est faramineux, c'est hallucinant de, de voir le, le nombre d'auteurs de, de, de romans policiers euh, ou de romans noirs qui, qui ont fleuri en France depuis maintenant une dizaine d'années. C'est effarant. Et autant de plumes, autant de, de graphomanes, comme dirait Kundera. Euh, à l'époque, c'était un, un genre quand même peut-être moins développé. Euh, dont on s Par rapport à son engagement, qu'on ne s'attendrait pas forcément à avoir sous sa plume, pourquoi le, le roman noir Pourquoi cette euh, littérature-là Alors je peux vous répondre en tout cas en ce qui concerne Paul Monopole, parce qu'il s'est inspiré tout simplement d'un de ses voisins de prison, n'oubliez pas. Et donc il a connu un voyou corse qui s'appelait Jean Sartor, me semble-t-il. Il s'est inspiré de la vie de Jean Sartor qui lui donnait des détails d'ailleurs sur la façon de faire les braquages, etc. Donc, vous voyez, il allait à la source et il avait commencé ce roman en prison. Il l'a continué et notamment son le, la dédicace est pour mes potes qui sont en pour distraire mes potes qui sont encore dans le trou. Donc, voilà pourquoi il a écrit des romans noirs. D'accord. Et sur un, un autre genre littéraire, il a, il a eu des velléités ou il a, il y a des, des essais Ah, mais il a écrit des romans aussi, des vrais romans. Et une histoire assez amusante, c'est que quand il était à Paris Presse, il a tout fait dans le journalisme. Tout. Il a été chroniqueur judiciaire il a été grand reporter. Il a été, euh, il a couvert les événements sportifs, il a, il a écrit l'horoscope, le, euh, le courrier du cœur, euh, tout, bon, tout. Et à Paris Presse, un jour, euh, son patron n'était pas content du feuilleton euh, et donc euh, dit à, à Guilleminot, donc le, le, le supérieur de, de François Brignot Mais je ne veux pas, non, ce, ça n'a aucun intérêt, je ne veux pas, tu me supprimes ça. Puis il se tourne vers François et lui dit « T'as pas quelque chose dans, dans, tes, dans tes tiroirs Tu peux pas faire quelque chose ?» François avait une vague idée de roman, mais n'avait rien déjà décrit. Et relève le gant. Et le lendemain, il a apporté euh, la première, euh, le premier épisode euh, du feuilleton. Et donc chaque jour, il a écrit ce roman qui s'appelle « Deux femmes au jour le jour » comme les gens, comme les romanciers du 19e. Et ça a duré deux mois. Et pendant les deux mois, tous les confrères, non sans malice, se disaient, un soir, il va prendre une muflée et le lendemain, le feuilleton ne sera pas là, on va bien rire. Eh bien non, il y a eu le feuilleton tous les jours. Et c'est assez amusant parce que... Euh, Max Cor, donc, qui lui avait demandé d'écrire le feuilleton, lui envoyait des petits mots de temps en temps, attention, pas trop de, euh, de, de, de restaurants chics, etc. Enfin, lui donnait quelques petites indications. Et il a bouclé son roman, qui a été euh, édité chez euh, Albin Michel, me semble-t-il, qui a été repris par Powells au Club de la Femme, donc qui a été tiré à 200 000 exemplaires, enfin, un truc incroyable. Donc, vous voyez, il était capable d'écrire un roman au jour le jour. Qui peut faire ça Oui, oui. oui. Pe peut-être si. Vous, vous l'avez répété plusieurs fois, donc je, je pense que les, les auditeurs l'ont entendu, mais si, si on devait dire à des jeunes gens. Si on devait donner un, une piste pour aborder euh, Brignot, il y a évidemment votre, votre ouvrage, mais c'est certainement euh, Mon Après-guerre qui est le, le livre majeur peut-être de, de François Brignaud. Alors, j'ai fait le test, près de neveux notamment, qui ont une vingtaine d'années. Euh, pour aborder mon après-guerre, je pense qu'il faut aborder mon après-guerre après avoir lu mon livre. Ça permet de mieux situer et de mieux apprécier si on entre, enfin, en tout cas pour les, les jeunes générations, directement dans mon après-guerre c'est peut-être un petit peu difficile donc si on veut attaquer tout de suite un livre de françois Brignot, je recommande quand les armes se sont tues qui est donc la réédition de l'aventure est finie pour eux et qui est le recueil de reportages dont vous auquel vous faisiez allusion tout à l'heure celui qui a failli avoir le prix albert-londres il est allé interroger des gens comme de grelle Lenny riefenstahl euh, mais aussi euh, euh, le colonel le... le colonel Rémy, Arthur Kessler, etc. Mmh. Et ça, ça, je dirais, je suis sûr que ça marche. Il ah, faut oui, d'abord commencer par ce recueil de, de reportages. Alors justement, pour rebondir, euh, faire un petit retour en arrière par rapport à ce qu'on a dit, on n'a pas parlé encore de l'homme de terrain et du grand reporter. Je crois que c'est quelque chose aussi de très important oui non. très important donc euh, reporter comme je l'ai dit pour paris presse et reporter à minute donc là petite parenthèse euh, minute a été créée par jean françois devet en 62. jean françois devet était au, aux côtés de françois brignot à paris presse responsable d'une page d'écho parisien et il a décidé de créer un hebdomadaire qui devait avoir cette coloration d'écho parisien au départ et comme l'hebdomadaire s'est lancé en 1962, donc euh, ça ne pouvait pas être un écho euh, défense Algérie-Française, puisqu'elle était morte, mais c'était un journal foncièrement anti-gaulliste, donc qui a pris une teinte politique certaine, et foncièrement anti-communiste, et foncièrement anti-gauchiste d'une manière générale. Donc à ce moment-là, ça a plus intéressé François Brignot, qui à l'époque était à l'aurore. Qui a donc donné des papiers à minute, et puis euh, l'Azurique lui a interdit de donner des papiers à minute, alors que Jean Boiseau, qui travaillait à l'aurore également, était le bras droit de Devet à minute. Donc euh, François Brignot a pris la mouche et a claqué la porte de l'aurore. Tout le monde lui a dit Tu es fou, tu as une place en or à l'aurore, minute ça ne va pas durer, et tu vas te retrouver sans rien. Il est entré à minute en 64 et il y est resté 23 ans. Donc minute avait un petit local rue du Croissant qui était le quartier de la presse à l'époque et puis euh, très vite minute est devenu propriétaire d'un immeuble avenue Marceau. Minute a tiré, bon, ne disons pas chaque numéro mais pouvait tirer 250 000 ou peut-être même 300 000 exemplaires, où ça peut-être été exceptionnel, mais enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y avait une centaine de salariés au moment où Minute marchait très bien. Donc Minute marquait les gens, Minute avait vraiment une influence. Et qui avait de l'influence, c'était le porte-drapeau, c'était François Brignot. Ce qui montre le mieux que Minute avait une influence, c'est le nombre d'attentats qu'il y a eu contre minute. Je donne la liste dans mon livre, c'est assez impressionnant. Les voisins appelaient d'ailleurs l'immeuble Beyrouth-sur-Seine. Et il y a eu un attentat également chez Jean-François Devet et il y a eu un attentat chez François Brignot. En 1972, une bombe a été déposée devant son portail. Qui aurait pu être euh, donc dans un sac qui aurait pu être euh, ramassé soit par lui, soit par sa femme, soit par un de ses enfants, et qui a été ramassé par un éboueur euh, maghrébin qui a perdu un œil euh, et une main. Voilà, donc ça n'a pas fait pleurer dans les chaumières. Je ne pense pas qu'il y ait eu de manifestation de journalistes à l'époque. Il n'y a pas eu la même solidarité que celle à laquelle on assiste aujourd'hui euh, vis-à-vis -vis de Charlie Hebdo. C'était moins, c'était plus discret, c c plus, plus discret. discret. De, les, il, comme disait François Brigno, les confrères ont su cacher leurs émotions. <laughs> ce qu'Emmanuel, qu on l'a déjà, on l'a déjà dit à une émission, je, je crois assez récemment. Donc c'est vrai que ça fait un peu euh, un radotage, mais euh, ce que nous avait dit une fois Emmanuel Ratier à, à une émission d'une émission, c'est qu'en fait, euh, Minute aussi à une époque a, a joué un rôle assez curieux, qui était que lorsqu'en gros le, le pouvoir voulait euh, déminer une information, il la faisait fuiter vers Minute, et euh, une fois que Minute s'en était emparé... Comme à un moment pour une partie de l'opinion, Minute c'était le diable. Euh, bah, ça voulait dire que finalement le, le scoop n'était plus utilisable par les autres parce que Minute en avait déjà parlé et que donc les journaux s'ils l'avaient repris, euh, finalement auraient repris un, journal, un article de Minute et ça c'était inacceptable, c'était pas possible. Donc euh, c'était aussi un moyen de. C'est vrai que le journal a pu euh, parfois être utilisé euh, à son corps défendant euh, par le pouvoir et en particulier euh, par le pouvoir pompidolien euh, ou giscardien pour euh, déminer euh, le terrain l'existence de la fille de Mitterrand a été révélée bien des années avant qu'on en parle par minute, oui. Oui, ça, par exemple, en effet, c'est un, un, bon, un très bon exemple. Euh, un caractère essentiel de, de François Brignol dans sa manière d'écrire, et on... Pour faire cette distinction, justement, on a vu le journaliste, le reporter, l'écrivain, mais euh, ce qui va le caractériser aussi beaucoup, et on le retrouvera notamment jusqu enfin en filigrane jusqu'à la fin de sa vie, notamment lorsqu'il participera au, euh, avec le journal de Serge de c'est le pamphlétaire et le polémiste. Et j'aurais aimé que vous puissiez nous donner cette, euh, cette analyse que lui faisait, cette distinction qu'il pouvait faire entre les deux, parce que je crois que c'était là, où, pas dire que là il était le meilleur, mais c'est là où il était peut-être le plus acide, en tout cas. Oui, de par ses, ses ennemis, ses adversaires eux-mêmes, c'était le, le dernier grand polémiste de la presse française, de la droite de conviction, disons. C'est une vraie tradition française de la, voilà, qui, voilà. qui s'est perdue définitivement aujourd'hui, je crois, voilà, qui n'existe plus. Je, je me souviens notamment d'un article de Pascal Kropp dans l'événement du jeudi en 88. Où il disait que c'était le dernier grand polémiste de la droite de conviction. Et Il citait un passage de François Brignon en disant c'est vraiment excellent. Bon évidemment euh, ses idées sont il ne devait pas dire nauséabond à l'époque on ne le disait pas mais ça revenait à ça et donc il concluait en disant qu'on pouvait être quelqu'un qui avait un grand un grand grand talent mais qui était un salaud. Bon en tout cas grand polémiste et effectivement il y a une distinction que, que je n'ai vue que chez lui entre le pamphlétaire et le polémiste. Pour lui, le pamphlétaire était quelqu'un qui déversait son, sa colère euh, comme ça, tout, tout, tout d'une pièce, qui se servait de sa plume à la façon d'un glaive ou d'une torche et qui, euh, et qui donnait toutes les indignations qu'il avait dans la tête. Donc, je, il citait Drummond, Moras ou Bernanos, qui selon lui étaient des pamphlétaires. Tandis que le polémiste, alors pour lui, le polémiste par exemple était Léon Daudet, un grand polémiste, Léon Daudet, il est effectivement dans la lignée de Léon Daudet, ou Henri Rochefort. Donc, le polémiste a comme qualité essentielle déjà la drôlerie, ce que n'a pas le, le pamphlétaire. Pour François Brignot, il n'y a pas de polémique sans comique. Il y a la justesse du trait. Donc, selon lui, il faut être un petit peu romancier pour être polémiste. Il faut savoir imaginer la vie, le caractère de la personne que l'on attaque, non pas pour elle-même, mais pour les idées qu'elle défend. Un petit peu de sentiment, un petit peu de méchanceté. Et puis, l'indignation est là. Elle est forte, mais elle est toujours dominée. Et elle cesse de terminer par une pirouette. Donc, cette étude qu'il fait de Léon Daudet s'applique très, très bien à lui. Et dans les polémistes, il cite Henri Béraud, Xavier Vallat, Jacques Perret, bien sûr, Jacques Laurent, Lucien Rebatté ou Albert Paraz. Alors, c'est amusant parce que quand il dit que. Euh, un polémiste doit aussi être un bon romancier. Quant à moi, j'ajouterais qu'un bon reporter doit être aussi un peu romancier. Quand on se promène dans un pays étranger ou quand on fait une enquête, il faut savoir voir les choses qui sont derrière les choses et imaginer. Et vous avez de grands reporters qui ont écrit de grands romans. Vous avez Albert Londres, vous avez Henri Béraud, vous avez François Brignot, vous avez ADG. Et puis, encore vivant, tout proche de nous, et encore vivant pour longtemps, j'espère, vous avez Marc Charuel, par exemple, dont il faut lire le roman « Chiens enragés », parce que, pour évoquer les djihadistes, c'est tout à fait bon. Voilà, donc je pense que c'est une distinction, en tout cas, que fait François Brignot et que je n'ai vue sous la plume de personne. Il cite aussi des polémistes, pardon, à gauche. Car il a de l'estime pour les gens de gauche, comme ils ont du talent, Henri Janson, qu'il appelle le prince, et, et André Frossard, qu'il n'aime pas du tout, qu'il appelle le valet. Et dans les polémistes, il cite donc à gauche Maurice Clavel ou Jean Co ou François Mauriac, le marlou de Bénitier. <laughs> Mais c'est vrai que cette disparition des, des pamphlétaires et des polémistes, parce que finalement, même en, en tenant compte de cette distinction, les, les, deux, ont, les, les deux ont disparu, c'est assez tragique et c'est général. C'est-à-dire que, bon, évidemment, dans la grande presse, bon, il n'y en a pas, c'est que c'est robinet robinets d'eau tiède, mais même dans les f... mouvements politiques plus radicaux, on, 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 on a du mal à discerner ce, 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 ces talents de plume, malheureusement. On a des gens qui écrivent très bien, euh, dont le fond est très intéressant, mais cette verve, on a l'impression qu'elle a en effet Histoire. disparu de, 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 des radars et c'est assez inquiétant et peut-être peut que c'est aussi une preuve de, de, de l'affadissement général de, de notre époque euh, qui ne supporte plus un peu la, la virulence ou la violence, mais c'est vrai que j'aurais du mal aujourd'hui, à gauche, à droite, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, à, à trouver des noms qu'on pourrait rapprocher de, de, de ceux qu'on qu vient, qu vient de citer. Il ah, y a un affadissement, je pense aussi là, il y a ce, cette perte d'appétit pour euh, pour de pour de la belle écriture. Des hein. choses littéraires, en tout ouais. 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 Oui, mais il y a encore des gens qui écrivent très bien. Il y a oui. encore de très bons. C'est vraiment ce style-là qui disparaît, parce que des, des, des belles plumes, il en reste encore, oh, Dieu merci. Mais ce style-là, pour, pour pour le coup, peut-être qu'on le retrouve un peu dans les sur, dans les dans certains blogs ou etc. Mais euh, j'ai vraiment. Euh, l'impression que c'est un style qui a malheureusement qui est pas de pas d'héritier euh... on pouvait citer Serge de Beketch oui, oui c'est vrai oui, oui. c'est vrai tout à fait ah bah, d'ailleurs à l'époque oui du euh, de son décadère c'était euh, une lecture très éroborative. Ouais, surtout qu'on y trouvait François Brignot voilà, également les deux, donc les deux, euh... les deux les deux, deux, oui, deux avaient be beaucoup d'estime ils avaient beaucoup d'estime l'un pour l'autre ils avaient travaillé ensemble à minute mais n'étaient pas très proches quand ils étaient à Minute, mais ils se sont retrouvés après, effectivement. Et, et le décadère de, de Serge de Becket, donc le libre journal de la France courtoise, a été le dernier journal okay. dans lequel François Brignot a écrit régulièrement. Parce que c'est assez fascinant de voir des journaux, que ce soit Minute ou euh, Rivarol, qu'on achetait, Pratiquement que pour, une, que pour une plume. Bon, il y avait d'autres choses, c'est peut-être un raccourci, mais c'est vrai, on va vexer des gens en disant ça, évidemment. Mais c'est vrai que moi, bah, par exemple, National, quand je lisais National Hebdo, j'achetais National Hebdo pour, pour Brigno et Mathilde Cruz. Oui, mais il est évident que beaucoup de gens achetaient Minute pour les, les, les deux pages de François Brigno ou pour ses reportages. C'est vraiment, ça aussi, c'est rare. C'est rare. Non, hein, je, je, pardon, je, je crois qu'on achetait aussi à une époque, on achetait beaucoup. Fin, présent pour pour l'édition du samedi avec Jean Madiran aussi c'était un oui, peu la vieux, même chose quoi voilà ouais. oui, oui. et c'est vraiment oui ils portaient à, à eux tout seul quasiment des, des, des journaux entiers c'est vraiment c'est assez fascinant bah, surtout que comme comme Minute a vu sa, sa qualité aussi euh, baisser à partir d'un moment euh, de fait euh, François Brigno il prenait encore plus peut-être de de valeur euh, centrale oui je pense que tant que François Brigno y était c'était encore le grand Minute quand même hein, puisque il a quitté Minute en 87, et puis après, effectivement, les directeurs ont été différents. Mais il a donc travaillé sous, j'allais dire, sous le règne de Jean-François Devet pendant neuf ans, ensuite de Jean Boiseau pendant neuf ans, et puis euh, il y a eu Goudot. Tout ça, non, c'était des Minutes se tenaient. Hein. Mais pour revenir à, au, au reportage, à du temps de minutes, puisque vous évoquiez ça tout à l'heure. Donc il a fait des reportages au Vietnam, notamment. Et il, a, il est allé trois fois en Israël. Donc en 67, en 69 et en 73. Euh, C'est assez amusant, puisqu'il avait beaucoup d'admiration pour Israël, ce qui était la position de, des nationalistes français d'une manière générale. Je cite le titre d'un article de Dominique Vénère que j'ai retrouvé dans Minute et qui s'intitulait Pourquoi je les admire En parlant des Israéliens. Et il y a une anecdote assez amusante à propos d'un des voyages de François Brignot en Israël, puisqu'il a rencontré Begin, qui était donc à l'époque dans l'opposition, mais qui a aussi été ministre, etc. Et en tout cas, un homme important et qui parlait français, et donc euh, il a longuement interviewé Béguine, et à un moment, euh, François Brignot lui dit, « Mais comment se fait-il, donc, vous qui, euh, euh, qui êtes juif, donc qui pensez que le, euh, que, que le Messie n'est pas encore venu, euh, vous êtes pour l'avortement, vous autorisez l'avortement mais vous ne pouvez pas imaginer que peut-être le Messie est dans le ventre d'une de ces femmes qui vont avorter. Et à ce moment-là, Béguine lui a lancé un regard foudroyant. Il a éructé en hébreu et il s'est détourné de lui. Il ne lui a plus jamais parlé. Bon. <laughs> <L> Ambiance. <laughs> Alors, la, la période Minute n'est quand même pas une période anodine, bien évidemment, de par sa durée et de l'importance du journal et son importance euh, voilà, politique, et on, on l'a bien, bien compris. Il y a quand même une, un, un trait euh, de, de, de la carrière de, de François Brignot, c'est que tous les journaux. Alors, vous si je me trompe, mais tous les, il me semble que tous les journaux auxquels il a participé, il les a tous quittés de son plein gré ou pratiquement. C'est quelqu'un qui, qui n'est. Une... Enfin, foncièrement, euh, je crois que ça sera un peu l'analyse que vous en faites, c'est que Bruno est un homme libre, fondamentalement libre. Euh, il est attaché à cette liberté, et dès qu'il sent une quelconque entrave, ou qu'on remet en question, ou que les choses, voilà, il n'a plus cette liberté-là, il part, et il s'en va. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que euh, il ne, il, tout, toutes, les, comment toutes les rédactions qu'il a pu quitter, il les a faites volontairement euh, oui, Est-ce qu'on peut dire cela Voilà, sauf France Dimanche, oui. où il a été viré parce qu'il avait donc fait la fronde. Mais euh, sinon, dès qu'il sentait qu'il était censuré, plus ou moins censuré, il partait. Quelles qu'en soient les conséquences. Quelles qu'en soient les conséquences. Il a, par exemple, euh, il a donné des papiers pendant très longtemps à Télémagazine. Et j'ai retrouvé des, des numéros de Télémagazine. Ces papiers étaient excellents, parce que c'était aussi des papiers d'humeur. Bon, théoriquement, il devait parler de la télévision. Mais la télévision recevant tout le monde, il pouvait parler des hommes politiques. Donc, euh, il évoquait, en fait, n'importe quel sujet. Et c'était d'excellents papiers. D'ailleurs, il, il avait pensé à faire un recueil de de ses meilleurs papiers dans Télé Magazine, et puis ça ne s'est pas fait. Enfin, peut-être que ça sera fait un jour. Mais au bout de tant d'années, donc euh, quand euh, quand un jour il avait dit du bien de Jobert et que ça n'avait pas plu euh, euh, à, à Leclerc qui. Euh, qui dirigeait Télémagazine et qui lui a demandé de changer des choses, François Brignot est parti. Quand il a eu. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple encore Quand il a senti à Paris Presse qu'il était dans un placard doré, il était payé. Il... Mais on, on ne l'envoyait plus nulle part au moment de la guerre d'Algérie. On ne l'envoyait plus évidemment comme chroniqueur judiciaire. On a... Bon, ben, il est parti. Il a trouvé que ça n'avait plus aucun intérêt. Il est parti. Quand à présent il a été plus ou moins censuré, ou en tout cas qu'il a eu des remarques de Madiran, il est parti. Ça, ça dure, cette aventure présent, ça dure combien de temps enfin, Alors, il a lancé. Qu'est-ce du... qui l'a motivé Parce que bon, c'est quand même pas anodin, un engagement avec des gens comme Madiran, euh, bon, très marqué sur la tradition à une époque, les enfin, années 80. La création présent, c'est quelle année 82. 82. Bon, euh, avec tout ce qu'il qu va avoir derrière, avec euh, le, le problème du schisme et enfin, l'excommunication voilà, la C'est fois... plus, plus tard, mais. C'est 88. Mais il n'y était déjà plus D'accord, D'accord, très il bien. Il a quitté présent en 86. Enfin, il était quand même trop relativement proche. C'est lui qui va interviewer sur Courtoisie. Il va recevoir Monseigneur Lefebvre. Oui, mais pas pour présent. D'accord. Il est Quand il est venu interroger Monseigneur Lefebvre au micro de Serge de Becketch, à Radio Courtoisie, c'était à la demande expresse de Monseigneur Lefebvre, qui avait choisi François Brignot. C'est incroyable. Et qui. Alors François Brignot lui a dit Mais Monseigneur, vous n'y pensez pas, je ne suis même pas baptisé. <laughs> je sais mieux que vous ce qui me convient. <laughs> Comme seigneur le fait voulait quelque chose de toute façon il le voulait. Très bien, nous allons faire une deuxième pause musicale. Tempête dans un bénitier le souverain pontif avec les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, sans le latin, la main se nous emmerde à la fête liturgique, plus de grandes pompes soudain, sans le latin, sans le latin, plus de mystère magique, le rite qui nous envoûte, s'avère alors anodin. Sans le latin, sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Autre très sainte Marie, mère de Dieu dites à ces putains, de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul morbleu depuis que ces règles sévissent à ne plus me rendre à l'office dominical que quand il pleut. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, sans le latin, la main se nous emmerde. En renonçant à l'occulte, faudra qu'il fasse tintin. Sans le latin, sans le latin, pour le denier du culte. À la saison printanière, ce bedeau sacristain. Sans le latin, sans le latin, feront l'église buissonnière. Autre sainte Marie merde, Dieu dit aux assez putains. De moines qui nous emmerdent sans le latin. Ces oiseaux sont désenragés, ces corbeaux qui s'y rognent tranchent, la Seine est bonne vieille branche de la croix où ils sont perchés. ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change à nos de boudin. Sans le latin, sans le latin, et ses vertus faiblissent. À lourdes, c'est tout bien parme, comme à Quimper-Corentin. Le presbytère, sans le latin, a perdu de son chat charme. Autre Sainte Marie-Mère de Dieu dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, Tous ces fichus calotins, Sans le latin, sans le latin, La messe nous emmerde, Le vin du sacré calice, Se change en eau de boudin, Sans le latin, sans le latin, Et ses vertus faiblissent, À Lourdes, ou bien parme, Comme à quimper corentin, Le presbytère, sans le latin, A perdu le son charme, Votre sainte Marie, Mère de Dieu, Lutteuse à ses putains, le qui nous emmerde sans le latin. Bien de retour sur Mélenchon zéro pour la troisième partie de, de cette émission consacrée à François Brignol. Euh, vous liez dans la, dans la continuité de ce qu'on disait juste avant la, la pause. Vous liez ajouter un certain nombre de choses Anne. Alors quand on disait que François Brignol était la plume, euh, le, le, la plume exemplaire de, de minutes, la, la, la plume force de minutes, le porte drapeau de minutes. Euh, je donne un exemple, c'est l'exemple le, de San Antonio. Je rencontre un jour un ami qui me dit ⁇ Ah tiens, tu travailles pour François Brigno, euh, je l'ai vu cité dans un San Antonio je dis, ⁇ Je lui dis ⁇ Comment Brignaud cité dans un San Antonio, lequel ?⁇ oh, Écoute, j'en lis tellement, je ne sais plus, peut-être l'année de la moule. Évidemment, je me précipite chez le libraire, j'achète l'année de la moule, que je lis d'un bout à l'autre, il n'était pas question de François Brigno. Je rappelle cet ami. Qui me dit, écoute, non, vraiment, je ne vois pas. Donc, j'écris à San Antonio en lui disant, euh, n'avez-vous pas cité François Brignot Il me répond, écoutez, si, sans doute, mais alors vous dire où Je n'en ai plus aucune idée. Mais euh, adressez-vous à mon attaché de presse, etc. Mademoiselle, bon. j'appelle Mademoiselle, qui me dit, oh, vous savez, non, alors là, franchement, non, ça ne me dit rien, je ne peux pas vous renseigner. Mais. Téléphoner à tel libraire à Lyon, etc., qui tient une librairie qui s'appelle Choc Corridor. J'appelle, donc vous voyez, moi aussi je menais des enquêtes. Mais enfin, je suis bretonne, hein, donc quand j'ai une idée dans la tête, j'appelle ce libraire et je lui donne le, le but de ma recherche. Il me dit :« Vous avez deux minutes ?»« Oui, bien sûr. » Deux minutes plus tard, il me dit :« Voilà, j'ai retrouvé. » C'est dans les deux oreilles et la queue, à la fin, etc. J'ai sidéré. Donc, évidemment, je lui ai commandé le livre et je vois que euh, dans le San Antonio, à un moment, le président euh, euh, pose Minute en disant euh, euh, J'aime beaucoup les articles de François Brignot dans Minute. <rire> <rire> Donc, c'est un signe quand même. Quand on est cité dans San Antonio comme ça, euh, ça n'est pas par hasard. La rançon de la gloire. Euh, on, on peut intercaler, euh, deux, lire deux petits passages. Hein. C'est vrai que dans les, dans les émissions euh, littéraires, comme ça, on aime bien euh, faire un peu de, de citations. Euh, vous avez chacun un passage, euh, messieurs. Qui, qui commence Xavier Alors, c'est un, un extrait d'un article pour saluer Michel Audiard. L'intelligentsia de gauche, qui n'aime pas ce qui vient du peuple français, détestait Michel Audiard. On en a donc fait un homme de droite. Un anard de droite, disaient les malins. Je ne sais pas très bien ce qu'est un anard de droite. Un anard, c'est quelqu'un qui croit que l'homme n'est orphelin, apatride et adulte dans un environnement où il n'a que des droits. L'homme de droite croit que l'on est d'une mère et d'un père, sans lesquels le petit enfant serait la plus le plus vulnérable des êtres de la création. Dans une patrie pour laquelle, au regard de tout ce qu'elle apporte, on a surtout et d'abord des devoirs. Oui, ça définit bien. Je... <laughs> C'est une bonne définition, je trouve, qui, qui va dans la lignée du, du polémiste et du pamphlétaire. Et uh, Wiesdorf Oui, alors justement, pour le pamphlet, justement, euh, et là, en, en lien, et pour nos auditeurs, sur la jeunesse. Je cite donc, car la jeunesse peut changer de mode et de coupe de cheveux. On peut la limiter au refus yéyé et à ses violences dérisoires. Elle demeure toujours l'âge de la révolte, de l'abnégation et de la foi. C'est pourquoi il y a eu, et il y a, des jeunesses communistes, nationalistes, fascistes, et c'est pourquoi il n'y a pas de jeunesse gaulliste. Comprenne qu qui pourra. Et je pense qu'on voilà, peut transposer tout à fait à notre époque et, euh, et euh, adapter euh, cet excellent texte à, à, à la jeunesse d'aujourd'hui et comprendre peut-être pourquoi il n'y a pas plus de, de jeunesse de, des hommes politiques qui nous gouvernent. En langue, voilà. Tout voilà. Sarkozyste. Ou sarkozyste, voilà. <laughs> tout à fait. Bah, ça fait une, une bonne transition avec la, avec la politique. Est-ce que le, euh, est -ce que le, le constat qu'on qu faisait tout à l'heure... Et vous confirmiez Anne sur le fait que globalement il a, il a quitté les, les journaux euh, de son plein gré, généralement lorsqu'il se sentait enfermé ou, ou moins libre. Est-ce que cette, euh, ce, cette ligne de conduite a, a prévalu aussi en, en politique Est-ce qu'on peut faire le, le même constat, ou est-ce que c'est est plus lié à des, des querelles de personnes ou à un moment des, des, des chocs aussi non, il a toujours tenu. Bon, il disait, il admirait beaucoup les militants. Lui-même euh, a été militant. Il, euh, il, il s'est laissé convaincre de se présenter euh, euh, pour le Front national euh, à Saint-Cloud, et il a raconté dans un article que il en avait gardé. Il avait gardé de cette époque un souvenir encore pire que celui de la prison, parce que il n'osait plus sortir de chez lui. Lui qui aimait faire son marché n'y mettait plus les pieds. Et il avait été pris en photo, fort heureusement, de retour d'une croisière dans la mer Égée. Donc il était barbu. La, la, la photo figure d'ailleurs dans, dans mon ouvrage. Et quand il croisait dans Saint-Cloud, quand il voyait l'affiche électorale, il se disait Mais quel est ce barbu ridicule <laughs> Donc il n'était pas. Il a toujours soutenu et admiré les militants, donc lui a, a quand même milité, il a quand même été orateur dans les meetings politiques, etc. Donc je cite les, les divers mouvements dans lesquels il s'est engagé, mais il était au fond de lui foncièrement un journaliste. Et il pensait que c'était ce qu'il avait de mieux à apporter, il est toujours resté tout de même indépendant. Euh, mais c'était lui, euh, dans la défense de son pays, de sa civilisation, dans la défense de ce qu'il avait reçu et de ce qu'il voulait transmettre, euh, c'était son journalisme et son talent de journaliste qui pouvaient le mieux servir. Il y a un très commun là aussi, je crois, avec Serge Beketch, à ce niveau-là. Cette liberté oui. d'engagement oui. politique, mais également de rester malgré tout un journaliste voilà. et, et de prendre le recul et donc indépendant, oui. tout à fait. Oui. Et François Brignot, puisqu'on parle beaucoup de la liberté d'expression, tenait à sa propre liberté d'expression, mais tenait également à la liberté d'expression pour tous les journalistes. Euh, Dieu sait que les, les journalistes de, du Canard Enchaîné n'ont jamais soutenu François Brignot, qui a eu un certain nombre de procès. Il n'a jamais été soutenu par aucun de ses confrères de la grande presse, comme on dit. Mais quand le Canard Enchaîné a eu des problèmes avec euh, Giscard, bon, pour une histoire de d'enquêtes, de, de diamants de Bocassa, etc., d'avions renifleurs que sais-je, Brignot a pris leur défense. Il était pour l'indépendance des journalistes et pour la liberté d'expression des journalistes. Donc, euh, comme c'est de mise aujourd'hui, je peux dire que lui, il l'a vraiment défendu, cette liberté d'expression. Oui, bah ça, de ce point de vue, euh, M. A... Aimant est, est dans la bonne lignée aussi, et, et d'autres, euh, globalement. Ça, s'il y a bien quelque chose, pour le coup, qui est une constante euh, dans notre. Euh, en tout cas, pour une partie de, de notre mouvance, c'est quand même de, de soutenir des. Euh, des gens ou à un moment des, des points de vue ou euh, tout dont on sait qu'il n'y a, a rien à attendre en retour. Hein, ça c'est clair. Manuel Valls partage cette, cette idée puisque pour défendre la liberté d'expression, il vient de mettre 50 personnes en, en examen pour euh, non, non charlisme. Pour euh, soi-disant, euh, à, à géographie du terrorisme, euh, notamment, euh, Dieudonné, qui s'était permis une, euh, une astuce euh, qui était digne des colonnes de Charlie Hebdo, d'ailleurs. Mais euh, là, maintenant, pour défendre la liberté d'expression, il est en garde à vue depuis, euh, depuis hier. Mais il doit être avec 49 euh, imams, j'imagine, mmh. non Sans doute, sans <laughs> doute, probablement. Donc vous savez que François Brignot a eu un grand nombre de procès, puisqu'on lui a reproché euh, beaucoup de choses. Et euh, j'ai entendu, moi, euh, un avocat euh, euh, de, de ses adversaires dire On sait très bien que François Brignot n'a pas d'argent, et c'est pourquoi, messieurs les juges, vous devez le condamner lourdement. Bah oui, tout à fait. Oui. — voilà. oui. Taper au porte-monnaie. Mais ça, ça c'est une, une vieille, qui vieille technique qui demeure. — Quand on sait qu'on ne parviendra pas de toute façon à décourager les gens ou alors à les intimider par d'autres moyens, les, les, les assassiner socialement, ça reste encore le, la meilleure méthode. Et aujourd'hui aujourd comme hier. — Et hein. donc finalement, ce, ce travail de, de journaliste militant, il l'a fait donc dans, dans National Hebdo, finalement oui, notamment, donc euh, dans Minute. Ensuite, quand il a quitté Minute en 87, il a rejoint National Hebdo, puisqu'il y a été invité par euh, Roland Gaucher, qu'il avait connu à Minute. Euh, voilà, il a, été, euh, il, a fait, il a écrit son journal d'un homme libre à National Hebdo. Donc, euh, et il a fait son travail, comme il le disait, de vieil écrivain de presse. — Mais il réussissait à ce moment-là à en vivre, parce que National Hebdo avait quand même des tirages infiniment plus limités que, que la plupart des journaux dans, les, dans lesquels sûr, il était passé. — François Brignot avait déjà l'âge de la retraite à l'époque. Et donc c'était un complément de retraite. Euh, et puis bon, il a quitté National Hebdo lors de la... Ça n'est pas une, le, la période la plus intéressante à évoquer, lors de la scission, puisqu'il l'était justement anti -cission. il pensait qu'il fallait ne pas diviser les forces euh, voilà donc quand il a senti qu'il n'était plus sur la même longueur d'onde que euh, que le journal il a quitté le journal et il est allé chez serge de becquet à ce moment-là Comment est-ce qu'on peut définir les relations Bon, Sur Méridien Zéro, nous avions déjà réalisé une émission sur Serge de Beketch Il euh, y a de ça. À... J'invite d'ailleurs les auditeurs à la réécouter parce que je pense qu'il y a un vrai parallèle à faire entre entre Serge et, et François Brignot. Comment est-ce qu'on peut définir les relations Parce que c'était deux grands polémistes, euh, euh, deux grands journalistes, à des parcours un peu pas similaire, mais dans le côté sinueux de la chose, en tout cas on peut, on peut le dire, quelles étaient leurs relations et, et quelles étaient leur manière de travailler, à euh, tous les deux Est-ce que Serge commandait à, à François Brignot ou est-ce qu'il avait véritablement euh, euh, liberté complète d'intervenir dans le libre-journal de la France corsoise C'était... Euh, liberté, liberté, ouais. liberté complète. Donc comme je le disais, euh, Serge et François Brignot avaient tous deux travaillé à Minute, mais à Minute, il y avait quand même... Je dirais qu'il y avait des, des, des écuries différentes. Euh, François Brignot a formé des gens. Il a formé Jean-Pax Meffray, il a formé Irina Colom Il a et des gens qui sont allés après, euh, qui au Figaro, qui au Parisien. Il y avait Tillier aussi qui a failli se faire descendre par. Euh, euh, bon, enfin bref, les, les noms. Euh, Mecrine. Par Mesrine. Et donc, on avait beau mépriser euh, Minute. Quand on avait une bonne formation Minute, on trouvait du travail dans la grande presse. Mais au moment de Minute, euh, Serge de Beckett et François Brignon n'étaient pas très proches l'un de l'autre. Ce n'est qu'après qu'ils se sont appréciés. Et euh, à chaque fois qu'un cahier, puisque François Brignot, vous le savez, a édité lui-même ses livres à partir d'un certain moment, mais c'était le moment. Où j'ai travaillé avec lui, donc à partir de 1989, quand il a sorti 1939-1940, l'année terrible. Et après, il a édité des cahiers sur des sujets qui lui tenaient à cœur, euh, soit politiques, soit plus littéraires, il y a des nouvelles, etc. Et à chaque fois qu'un de ces cahiers ou qu'un livre euh, paraissait, Serge se faisait une joie d'inviter euh, François Brignot euh, au micro de Radio Courtoisie. Et donc François Brignot a écrit régulièrement et avec grand plaisir dans le journal de Serge de Beckett parce qu'il y était justement totalement libre. Et Serge, pour Serge, François Brignot était un roc. Il était le pater familias. Voilà, ah, euh, c'était euh, le socle sur lequel on pouvait s'appuyer. Et, euh, et François appréciait le... Le, le, le style de Serge, son courage. Ça, euh, bien voilà. Bien. Et donc, je dois dire que des déjeuners avec euh, Serge et François Brignot m'ont laissé d'excellents <laughs> souvenirs. <rire> On imagine bien volontiers, effectivement. — Et juste euh, une, une incise. Les différents euh, titres dont nous avons parlé, que ce soit les, les ouvrages ou les cahiers, est-ce qu'on les trouve encore facilement Est-ce qu'ils sont réédités Est-ce qu'on les trouve dans les, dans les librairies euh, Pour quelqu'un qui voudrait se les procurer, est-ce que c'est assez facile Il faut Alors, passer par Internet ?— On ou... en trouve sur Internet. Mais on en trouve dans deux endroits. Enfin moi, évidemment, je parle des librairies parisiennes. Vous avez la librairie du Caen, 27 avenue du Caen, je crois que c'est 27, dans le 7e en tout cas, et puis la librairie Notre-Dame de France, rue Monge, qui sont des endroits où euh, vous trouvez des œuvres de François Brignot euh, facilement. Parce qu'il y a donc euh, encore une partie du stock des publications FB et des auto-éditions FB qui est disponible. Tous les livres ne sont pas encore euh, tous épuisés il y en a encore de disponibles. Oui, chacun avait un, un bon petit stock à la licorne bleue euh, du temps où elle existait. Euh, je ne sais pas du tout ce que ça a pu devenir, ça, par contre. Euh, vu que le, le gérant de la librairie est maintenant sous d'autres latitudes <laughs> plus lointaines et ta la librairie a fermé, je ne sais pas ce que ça a pu, euh, comment ça a pu être euh, écoulé. Parce que c'est vrai que là, quand on fait le, le bilan, et euh, moi, j'étais allé faire un petit tour du coup, à droite à gauche, par exemple, sur, sur Métapédia, il y a une, une petite notice euh, sur, sur François Brignot. Euh, la liste des, des publications ensuite fait quand même euh, deux pages. Hein, C'est vraiment. Euh, bon... Oui, bah, le mieux est d'acheter mon livre tout de même, puisque ouais. la bibliographie est tout est à fait complet, complète. <laughs> et puis que la lecture du livre permet de, tout, de bien situer chacun des ouvrages. Et ce que je trouve important, et donc une fois qu'on a lu ce petit livre qui ne coûte que 12 euros, donc ça n'est quand même pas une mise de fond très importante. Euh, on, on se repère très bien dans la vie et dans l'œuvre de François Brignot et on peut choisir de lire d'abord telle ou telle chose. Et, et moi j'ai été aussi j'ai beaucoup apprécié le fait des illustrations euh, que je, certaines que je connaissais pas du tout alors que je, enfin je me en suis, je suis quand même beaucoup intéressé à François Brigno et c'est c'est vraiment un, un ouvrage cette collection est une, une collection de grande qualité mais cet ouvrage tout particulièrement sans flagornerie euh, est vraiment extrêmement dense je trouve on a l'impression d'un petit livre mais en fait on, on y trouve beaucoup 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 de, de choses et des choses euh, sur autant sur la vie privée que sur que sur L'œuvre et le, la carrière qui sont tout à fait euh, passionnantes. Je pense qu'on ne peut pas refermer euh, ce livre sans avoir envie, après, d'aller euh, lire un ouvrage de, de François Brignot euh, immédiatement. Alors, moi, j'avais peut-être une question un peu plus personnelle. Euh, on a bien compris votre passion, bien évidemment. Vous, vous avez côtoyé François Brignot dans les dernières années de sa vie. Euh, ce livre représente, j'imagine, euh, une volonté de faire de témoignages avant toute chose, pour les jeunes générations. Euh, alors, c'est un peu idiot, ma question est un peu bateau. Euh, comment la chose vous est venue comme ça, comme une, comme une nécessité C'est très simple. Quand François Brigno est mort, il y a eu un certain nombre d'articles qui lui ont été consacrés, et dans ces articles, j'ai vu beaucoup d'erreurs, et j'ai été très irrité. Et et donc, euh, j'ai dit devant mon mari, euh, euh, je suis sûre qu'il va y avoir une, une biographie de François Brignot qui sera bourrée d'erreurs. Donc, il m'a répondu, bah, tu n'as qu'à l'écrire. <laughs> voilà comment la chose s'est faite. Je me suis dit, si je ne le fais pas, je ne pourrai pas râler après. Donc, je l'ai faite, et je dois dire que je l'ai faite avec grand plaisir. Oui, il faut rappeler qu'à l'enterrement de François Brignot, il y avait quand même deux, trois journalistes, dont Jean-Yves Camus, je crois, qui étaient venus, enfin, journalistes. Euh, euh, le, le mot est le mot est galvané. Euh, en tout cas, de, de gens s'intéressant à, à, à l'extrême droite, comme ils disent, euh, qui étaient présents dans le cimetière et qui étaient venus reconnaître euh, qui était là. Euh, je me souviens où j'y étais, ils étaient, ils étaient tous les trois à l'écart en train de regarder, euh, voir hein, qui, qui, euh, qui pouvait voir reconnaître. Si, voilà, si quelqu'un du front viendrait, si Jean-Marie Le Pen serait là. Euh, et après, ils ont mis il y avait un tel, un tel, etc. Une petite cinquantaine, en évidemment diminuant les chiffres comme ils le font toujours quand ça les arrange. Oui, effectivement. Ce qu'il faut, en, pour revenir juste sur ce que disait Xavier par rapport aux photos, c'est cet air de, de. Enfin, moi, je trouve, hein, si ça se trouve, je, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est cet air de ressemblance avec Victor Lanou sur la photo de la couverture. Non euh, pas, Non, non d'accord, il n'y a que moi. Bien, <laughs> bon, je sors, je m'étais. <laughs> d'accord. <laughs> Très bien. Enfin, je peux expliquer que la photo de couverture, c'est moi qui l'ai choisie. J'y tenais absolument. Je ne me suis même pas posé la question. C'est la photo que je voulais. Parce que il est là dans la force de l'âge, il est euh, tenant le gouvernail de son bateau, donc c'est une. Euh, il est en situation et il est en train de faire quelque chose qu'il a aimé faire énormément. Et puis euh, cette photo noir et blanc, je trouve, il y a une certaine énergie qui se dégage du noir et blanc et qui est très bien, très bien mise en valeur. Il, donc il a, euh... il, il a vraiment tellement un physique de, de Français. On a l'impression d'un personnage d'un film avec Gabin et Ventura. Oui, enfin, vraiment, ça incarne tellement la, la France, euh, que malheureusement certains disent la France d'avant. J'espère que ce n'est pas, pas la France d'avant. Mais il a vraiment ce physique de, de, oui, de, de personnage qu'on qu voit dans, dans, dans les films. Euh, il, il a le physique de son œuvre et de ses idées, je, je trouve. Et Vous savez qu'il y a une photo, vous l'avez vue, une photo à l'intérieur où figurent à la fois François Brignot, enfin Julien Guernac à l'époque, et Jean Gabin. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, hein, oui, sur, oui, parce oui, qu'ils oui. s'appréciaient. Donc, l'un euh, s'était engagé dans la deuxième DB. Mais les gens qui avaient combattu pouvaient avoir de l'estime les uns pour les autres. Ça ne posait aucun problème. Et les enfants de François Brigné ont retrouvé dans ses papiers, quand il est mort, un petit mot de Gabin, le remerciant pour un article. Et il disait Je crois qu'on n'a jamais rien écrit d'aussi juste sur moi. Donc, euh, voilà. Oui, oui. Non, un beau compliment. Bien, messieurs, euh, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter La seule chose qu'on puisse dire, c'est à nos auditeurs de se procurer le plus rapidement possible euh, ce, ce remarquable ouvrage euh, chez Pardès, parce que je crois qu'il y a là un témoignage merveilleux. Et puis surtout, euh, on a besoin d'avoir de retrouver euh, des gens comme François Brignot qui sont... Euh, qui sont des militants vrais, et des gens authentiques, et des hommes libres. Et c'est ce que nous revendiquons nous aussi. Et nous nous inscrivons pleinement dans. Avec, bien évidemment, certainement pas le même talent, mais en tout cas la même volonté d'être de, de, cohérent et, et d'être pleinement euh, oui, cohérent avec, 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 avec ce que nous vivons et ce que nous souhaitons faire. Voilà. Et de ne jamais baisser les bras. De ne jamais baisser les bras. Un voilà. le véritable témoignage de courage et d'engagement. Voilà, ça. Très bien, merci Anne pour cette pour cette émission merci avec vous. à fait donc euh, et ben bah, comme d'habitude, M. Hein, Xavier, c'est vous qui lancez le cri de guerre. <laughs> à l'abordage et pas de quartier. Pas de quartier. Voilà. Quand vous dites que vous êtes devenu nationaliste, ça représente quoi cette, euh, ce choix ou cette disposition d'esprit Plusieurs choses. Les premières sont des choses physiques et que j'ai ressenties sur le tas en faisant du bateau ou du vélo. C'est une émotion physique d'être en France plus grande que dans n'importe quel autre pays. J'ai beau avoir bourlingué, je n'ai jamais eu autant d'émotions que de découvrir un village français groupés autour de l'église, il y a là une harmonie, quelque chose qui, qui est. qu'on arrive difficilement à, à exprimer, mais, mais. enfin que l'on sent jusqu'à pleurer. C'est vrai, la même chose sur un. l'arrivée en bateau, dans une, dans un, après, là aussi, après avoir pris un coup de mer, dans les, dans les petits ports du nord de Bretagne, je pense à la Bervraque par exemple, la, la paix du soir, le... ça on dirait que le bon Dieu est là, qu'il y, y a quelque chose qui fait partie de l'harmonie française. Y a, y a, c'est un pays où je n'ai jamais trouvé autant de diversité et d'harmonie ailleurs. Et, 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 et ça, c'est une partie de mon nationalisme euh, charnel. La première partie, ça a été une, euh, euh, le, enfin, le nationalisme politique. J'ai compris en 40 que la première vérité, c'était la nation. Chose que je n'avais pas compris avant, mais en voyant la défaite, et qu'il fallait tout recommencer par là. Et entre les deux, entre ces deux points, il y a eu la, la, la certitude lentement acquise. C'est une, une conviction par, par étape qui vient autant de lecture, de discussion, que de réflexion personnelle. Et quelque chose de plus mystérieux que tout ça. Les, les, la métamorphose qui peut se faire dans un être pendant 30 ou 40 ans, cette conviction que, que, que la France d'abord, nationaliste français, c'est pas être nationaliste, c'est d'abord être, être nationaliste d'un pays différent, différent, qui a eu une histoire différente de celle des autres, et que cette histoire nous conduit fatalement, si on réfléchit, à être nationaliste parce que parce que elle représente parce que la France représente un pays euh, géographiquement euh, exemplaire. Politiquement, elle a apporté beaucoup au monde dans toutes sortes d'idées. Et même si elle est, en, elle est en déclin, elle est encore riche de, de beaucoup de choses. Et une civilisation française. Je suis euh, très, très frappé par la civilisation populaire à laquelle j'appartiens. J'ai connu dans, dans les classes les plus, les plus humbles de ce pays une civilisation qu'on ne trouve plus ailleurs. La déférence, la politesse, le sourire, la chanson. Les... La vie euh, euh, fraternelle. Je, je raconte souvent ça, les braves gens, moi j'ai connu ça. Les gens qui avaient du malheur, on prenait les enfants chez soi. et une solidarité, euh, un tissu, un tissu social qui n'allait pas au-delà des lois qui étaient du cœur. Et ça, tout, ces, tout cet ensemble-là qui m'a fait être nationaliste. Est-ce que vous avez l'impression que ça existe encore, au moins dans les à la campagne ou dans les, ou dans les classes euh, déshéritées, si on peut dire, ou, ou est-ce que ça a vraiment disparu et dans ce cas quand et pourquoi je, je vais vous dire une chose qui, 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 qui me semble euh, assez, assez tragique à dire, mais j'ai le sentiment que la richesse tue ça, ou que simplement l'aisance, sinon la richesse, que le bien-être tue, tue ça. Et que c'était plus sensible, c'était plus vivant. Le corps, le, le corps du peuple était beaucoup plus vivant quand, quand les choses étaient difficiles, parce que la vie était dure. Il fallait la gagner tous les jours, et c'était un, un pays qui, dont, 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 dont les métiers étaient, étaient au fond dangereux. Et ça faisait une solidarité autour de tout ça. Comme chez les mineurs, il y a un monde autour des mineurs qui, qui, qui est émouvant, qui, 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 est, qui, qui, est, qui est noble, qui, qui est grand. Et tout le monde du travail que j'ai connu, c'était un, un, un monde noble.